Bienvenue au 5 à 7 de l'Académie des sciences, antibiotiques, succès et déception. Cette séance est la suite d'autres séances dont je parlerai dans 2 minutes. Pardon. Donc, selon mon habitude, ça marche pas là. C'est en plein écran. Ok, très bien. Donc, selon mon habitude, je vais vous présenter d'abord très très rapidement l'Académie des sciences et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Donc, l'Académie des sciences est l'une des 5 académies qui composent l'Institut de France. Comme vous le voyez sur cette diapositive, l'Académie des sciences, qui est donc au milieu, comporte 267 membres, c'est donc la plus nombreuse. L'Académie française, dont le secrétaire perpétuel était Hélène Carrère-Dancause, a 40 membres. L'Académie des inscriptions et belles-lettres a 50 membres. Le secrétaire perpétuel, c'est Michel Zinc. L'Académie des sciences a une particularité, c'est qu'elle a 2 secrétaires perpétuels, Étienne Gis, qui est ici, et moi-même. L'Académie des Beaux-Arts a 1 secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, et 63 membres. Et l'Académie des sciences morales et politiques a 1 secrétaire perpétuel et 50 membres. Notre chancelier, c'est Xavier Darcos. Donc, l'Académie des sciences est, en quelque sorte, gouvernée par un bureau. Donc, vous voyez ici le président, Pierre Corvol, le vice-président, Patrick Flandrin, les 2 secrétaires perpétuels, donc Étienne Gis et moi-même, et puis 3 délégués aux affaires internationales, Olivier Pironneau, à l'éducation et à la formation, Eric Westhoff, et à l'information et à la communication, Didier Roux. Donc notre assemblée pluridisciplinaire est composée de 267 académiciens, dont 32 femmes. Nous avons aussi 117 associés étrangers. Nous sommes élus par nos pairs et nous sommes regroupés en 8 sections thématiques et une intersection. Notre institution, qui est indépendante et pérenne, est placée sous la protection du président de la République. Nous sommes libres de nos réflexions, de nos avis et de nos rapports. Donc nous avons, en gros, 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique. Encourager la vie scientifique, transmettre les connaissances, promouvoir l'enseignement des sciences, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil. Je ne peux pas aller dans les détails, mais simplement vous dire que pour transmettre les connaissances, nous avons instauré ces 5 à 7 de l'Académie des sciences qui ont donc lieu le mardi entre 5h et 7h. Et nous avons 2 grands cycles. Un cycle qui s'appelle « Rencontre avec un académicien » et un cycle qui s'appelle « Histoire et philosophie des sciences ». Donc le cycle « Rencontre avec un académicien » a lieu pratiquement tous les mois. Vous voyez les cycles passés. Et très bientôt, nous aurons donc au mois de novembre Alain Aspé qui nous parlera de mécanique quantique et Thomas Lecuy qui nous parlera de morphogénèse au mois de décembre. Je vous invite très cordialement à venir les écouter, l'idée étant que ces académiciens vous racontent leur parcours, comment ils sont arrivés là où ils sont. Donc le deuxième type de 5 à 7, c'est les 5 à 7, c'est histoire et philosophie des sciences. Comme vous le voyez, le dernier porté sur un personnage très important, Léonard de Vinci, mais on a aussi des thèmes que nous trouvons importants. Nous avions femmes de science oubliées, spoliées, femmes de, mais encore. Et aujourd'hui, nous avons donc un 5 à 7 sur antibiotiques, succès et déception. Le prochain 5 à 7, portera sur l'apport du monde arabe à la science. Donc parlons des antibiotiques, succès et déception. Nous allons avoir 3 intervenants, Anne-Marie Moulin, Bruno González-Zorn et Marc-André Silos, mais nous les présenterons avant. Et il m'a semblé qu'avant d'aborder les antibiotiques, il était important de vous dire que les antibiotiques, ce sont des composés qui attaquent les bactéries. Et comme c'est une séance
de grand public, j'ai pensé qu'il était important de vous rappeler ce que c'est qu'une bactérie. Donc vous en avez une sur la diapositive. Une bactérie, c'est le plus petit organisme vivant. C'est extrêmement important de se rendre compte que c'est une seule cellule, vous voyez, une seule cellule, à l'intérieur de laquelle vous avez un chromosome. Cette cellule a un flagelle qui permet à la bactérie de se promener. Il y a une paroi, en anglais cell wall. Il y a une membrane en dessous de cette paroi et il peut y avoir de temps en temps des capsules. Donc il peut y avoir plusieurs épaisseurs qui protègent cette bactérie. Vous voyez qu'il y a des petits poils qui servent en général, ces pili qui servent à la bactérie pour s'accrocher sur des surfaces biologiques ou abiologiques. Donc, est-ce qu'on peut les voir, ces bactéries ? Non, les bactéries, ce sont des bactéries qui sont trop petites pour être visibles à l'œil nu. Donc sur cette diapositive, vous avez en fait une représentation de ce qu'on peut voir à l'œil nu qui est ici. Donc vous ne pouvez pas voir les cellules. Les cellules de votre corps, les cellules de votre peau, les cellules de votre intestin ne peuvent être voir qu'avec un microscope. Et les bactéries qui sont encore plus petites peuvent être voir avec un microscope normal, on va dire, ou un microscope électronique. C'est extrêmement important de distinguer les bactéries des virus. Un virus n'est pas une bactérie. Un virus n'est pas un organisme vivant. Un virus ne peut vivre que s'il infecte une cellule, que s'il infecte un organisme vivant. Donc, gardez ça en l'esprit. Nous parlons aujourd'hui de composés qui attaquent les bactéries. Et ces composés qui attaquent les bactéries, ce sont donc des antibiotiques. Donc, les antibiotiques attaquent soit la paroi, soit le chromosome, soit des petites machines qui sont à l'intérieur du cytosol, c'est-à-dire l'intérieur de la bactérie. Alors, il y a deux types d'antibiotiques. Il y a les antibiotiques qui ont une action qui est bactéricide. Si vous imaginez bien que si vous coupez par exemple le chromosome en petits morceaux, cette bactérie va être tuée. Mais il y a aussi beaucoup d'antibiotiques qui sont simplement bactériostatiques, c'est-à-dire qui vont empêcher la paroi de grandir. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, que ces bactéries, elles n'ont qu'une envie, c'est de se multiplier. Pour se multiplier, elles se nourrissent, elles grandissent et elles se divisent par division binaire. Une bactérie va donner deux bactéries. Eh bien, il y a des antibiotiques qui empêchent la paroi de grandir, mais elles ne tuent pas vraiment les bactéries. Alors vous allez dire, est-ce que ce sont vraiment des antibiotiques qui sont efficaces ? Oui, ils sont très efficaces, puisque si la bactérie est en train de végéter, elle peut être la proie, par exemple, du système immunitaire qui se débarrassera de la bactérie. Donc ça, c'est pour les antibiotiques. Pour, le mode d'action des antibiotiques. Et aujourd'hui, on va parler de résistance. Ces bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques. Il y a différents mécanismes de résistance. Vous voyez par exemple, les petites pilules d'antibiotiques, rouges et blancs, peuvent par exemple, dans des bactéries qui sont résistantes, ne pas pouvoir rentrer. Donc là, c'est un mécanisme de résistance. On empêche l'entrée de... La bactérie a en quelque sorte réussi à empêcher l'entrée de l'antibiotique. Il peut y avoir dans la bactérie des pompes qui disent sitôt que l'antibiotique est arrivé, les pompes font sortir l'antibiotique. Il peut y avoir des moyens qu'ont développés les bactéries de couper les antibiotiques ou de les modifier. Donc ils sont devenus inefficaces. Vous pouvez aussi avoir des mécanismes qui font que l'antibiotique est délogé de l'endroit où il va se loger. Et donc il n'est plus efficace. Vous pouvez aussi avoir des mécanismes qui font que la cible de l'antibiotique est modifiée et donc l'antibiotique ne va pas pouvoir agir. Bon, et puis il y a d'autres mécanismes, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on va discuter aujourd'hui, mais c'est quand même important d'avoir à l'esprit qu'il y a différents mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et sans plus tarder... Je vais maintenant donner la parole à trois spécialistes qui vont couvrir l'histoire des résistances bactériennes aux antibiotiques chez les hommes. Notre deuxième orateur va plus se focaliser chez les animaux, mais aussi chez les hommes et dans l'environnement. Et enfin, on aura l'intervention de Marc-André Selosse qui, je crois, se focalisera plus, sans doute, sur l'environnement. Donc, sans plus tarder, je leur donne la parole. Donc les règles que nous avons mises en place, c'est que les trois orateurs nous parlent pendant
un quart d'heure. On acceptera 20 minutes, mais pas plus. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Et donc, je vais demander à Claude Debru de présenter Anne-Marie Moulin. Merci, Pascal, Madame la secrétaire perpétuelle. Anne-Marie Moulin, philosophe et médecin, ce qui est une conjonction qui est assez rare, qui n'est pas unique, mais qui est assez rare, est historienne de l'immunologie. Elle est diplômée de médecine tropicale. Elle a beaucoup étudié la médecine du monde arabe. J'ajoute qu'elle a une double carrière de philosophe et de médecin, de philosophe, d'enseignante de philosophie et de pratique médicale. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a été directrice scientifique à l'IRD. Et je voudrais mentionner, pour finir, quelque chose de très spécifique la concernant, c'est qu'elle est lauréate d'un prix bruxellois pour son action pour la paix au Proche-Orient, ce qui est tout de même assez remarquable pour être dit. C'est mieux. C'est à toi. Alors ça c'est pour avancer, ouais. Je suppose. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à Pascal Cozard pour cette introduction très complète du sujet et à Claude pour ses mots amicaux. La résistance des bactéries, je regarde l'heure parce que puisque c'est 20 minutes et qu'on est déjà, il est déjà 5h20. Bon, la résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène qui, en fait, a été reconnu dès les premières utilisations des antibiotiques, et même auparavant. Par exemple, Fleming en a parlé très tôt, et il a même évoqué la résistance à la pénicilline qu'il avait découverte plusieurs années auparavant, au moment de sa réception du prix Nobel. Il a mis en garde sur le fait que sa pénicilline n'était pas forcément magique. Et quelque part, en fait, l'attention qui aurait dû être donnée ne l'a pas été à ce phénomène de résistance. Et je pense, tous les historiens pensent plus ou moins, que c'est parce que il était difficile de confronter deux tempos, deux temporalités. D'un côté, il y avait la médecine révolutionnaire. Je crois qu'il a été dit que c'était la plus grande révolution en médecine. Un temps accéléré de la découverte et de l'augmentation des connaissances et la durée lente, maladroite du monde bactérien dans son évolution. Il y avait eu, bien sûr, des préliminaires. Il y avait eu, par exemple, des résistances à la chimiothérapie des sulfamides. Alors, les sulfamides ne sont pas des antibiotiques, ce sont des molécules chimiques, purement chimiques, qui n'ont pas été extraites d'un organisme vivant. Mais en même temps, on tend de plus en plus à englober, en quelque sorte, les sulfamides dans l'antibiothérapie ou dans la chimiothérapie plus largement. La chimiothérapie anti-infectieuse. Or, il y avait eu, en 1937 déjà, des résistances aux sulfamides quand on avait utilisé le prontosil sur le gonocoque
coupable des rétrécissements urétraux bien connus. Mais avec les antibiotiques nouveaux, avec la pénicilline, dont vous avez une image en bas à droite, c'était quelque chose de nouveau. C'était, comme l'a dit Selman Waksman, découvreur de la streptomycine, c'était un antibiotique, c'est-à-dire la vie contre la vie, un microbe vivant contre un autre microbe, au profit bien sûr de l'humanité. De l'humanité, c'est comme ça qu'immédiatement le message de la pénicilline a été perçu à travers les frontières, y compris avec des significations politiques inattendues. Par exemple, en février 44, et le mois compte, Franco s'est rapproché des Américains pour demander d'avoir accès à un stock de pénicilline qu'il espérait pouvoir annoncer à son peuple en reconnaissance de toutes les tribulations qu'il avait connues auparavant. Et cette manœuvre diplomatique, à tous égards, a joué un rôle dans la construction, mon collègue me le rappelait, d'une usine de pénicilline avec l'aide de Waksman, de Selman Waksman, 10 ans plus tard. Selman Waksman, qui en fait avait a découvert la streptomycine en travaillant sur les bactéries du sol. Il était à l'université de Rutgers, qui est spécialisée dans l'agriculture, et c'était donc bien une substance qui venait de la terre, et il a eu toutes sortes de commentaires, la terre c'est la vie, c'est dans la terre qu'on a retrouvé de l'énergie pour lutter contre les microbes. Vous voyez en quelque sorte le mythe d'Anté, celui qui tombe sur la terre pour retrouver de l'énergie. On était clairement dans le prolongement du rêve ou de la prophétie, comme vous voudrez, de la prophétie pastorienne de l'éradication, qui évidemment ne dépendait pas des antibiotiques, prophétie tout de même avec cette statue que j'aime à montrer, qui est toute proche de nous, sur une place pas loin d'ici, et qui clairement fait comprendre que la médecine inspirée par la science a réussi à arracher la faux de la mort. On voit la mort qui chancelle. Et de plus, en fait, on procédait un guide théorique avant la lettre de la façon dont il fallait conduire les antibiotiques. Paul Ehrlich, en 1913, avait énoncé les principes de la chimiothérapie de façon générale, en disant à une grande conférence internationale que l'activité d'un médicament, il avait en tête évidemment le salvarsan, l'arsenical qu'il avait expérimenté contre la syphilis et contre les tréponèmes de la maladie du sommeil en Afrique, l'activité d'un médicament dépend de sa composition chimique. Il doit se fixer sur le parasite, la bactérie. Et il disait en latin, corpora non agunt nisi fixata, sur des récepteurs, ça veut dire que les corps n'agissent pas s'ils ne sont pas fixés sur des récepteurs spécifiques. Et c'est le mot de récepteur qui est important, parce que c'est avec ce langage des récepteurs qu'on va pouvoir interpréter tous les phénomènes qui se passent entre la bactérie et son environnement. En fait, la drogue, l'antibiotique, agit comme une sorte de flèche empoisonnée qui se fixe sur un récepteur, et je vous ai mis un petit dessin d'Ehrlich qui plaît en général aux étudiants, où on voit des anticorps et d'autres molécules qui se fixent sur des récepteurs à la surface de la cellule. Évidemment, c'est une invention. Beaucoup de gens croient qu'il a vu ça. Il n'a rien vu du tout, il a dessiné. Certains composés, faisait remarquer Ehrlich, qui sont inactifs in vitro, peuvent être actifs in vivo et de façon fort variable selon les animaux. Et la toxicité résulte de la toxicité de la drogue pour les cellules de l'organisme. Évidemment, il faut trouver un gradient entre la dosa tolerata, je ne résiste pas au plaisir de parler latin, et la dosa toxica. Il faut que la dose tolérée soit au moins le 1/5, sinon le 1/10 de la dose toxique. C'est là une sage mesure. Les premiers antibiotiques, c'est-à-dire la streptomycine et la pénicilline, ont rapidement prouvé qu'elles n'étaient pas actives sur tous les germes, sur tous les microbes. Le miracle de Pfizer, de la compagnie Pfizer,
ça a été la terramycine, qui était aussi un germe issu de la terre dans l'état de l'Indiana. Et c'était un antibiotique à large spectre. Et c'est ça qui a été essentiel dans le développement de l'antibiothérapie à tout va, parce que cet antibiotique à large spectre pouvait être mis entre toutes les mains, y compris des praticiens loin du laboratoire. Parfois même, c'était dit explicitement par la firme pharmaceutique, sans diagnostic précis pour toutes les infections, au fond pour presque toutes les maladies infectieuses, mais y compris des choses qui n'étaient pas réellement considérées comme des maladies infectieuses, par exemple le rhume de cerveau, et toutes les infections respiratoires, quelle que soit leur origine et leur diagnostic. On voit d'emblée comment l'antibiothérapie a échappé à tout contrôle. La firme Pfizer, qui avait misé sur cette drogue miracle, envoyait des stocks de terramycine aux médecins, et elle aurait envoyé environ à 100 000 médecins un stock à utiliser sans aucun suivi pour leurs patients. C'était évidemment un événement considérable. La terramycine a également gagné le reste du monde, etc. On était vraiment dans le rêve total. Et non seulement le comportement des médecins était suivi par des psychologues et des sociologues pour voir quelle était leur réaction à l'arrivée de ces antibiotiques, mais on prenait en compte aussi les désirs du patient. Or, très vite, le patient s'est habitué à demander « a shot » en anglais, une piqûre en français, y compris pour des choses apparemment bénignes, pour le rhume. Dans la mesure où on était dans la pleine modernité, il s'agissait de retourner au travail le plus vite possible et d'être performant grâce au miracle de la médecine. Alors, toute cette conjoncture explique comment les pays ont énormément augmenté leur consommation d'antibiotiques, qui est devenu un cheval de bataille pour l'industrie pharmaceutique, dont je ne vous détaille pas les prouesses, parce qu'il n'y a pas eu que Pfizer sur le marché. Mais à partir du moment où les premiers antibiotiques n'avaient pas été brevetés, à partir du moment où les antibiotiques ont été brevetés, il s'agissait d'avoir sa part de marché, y compris avec les molécules qu'on appelle dans nos jolis MeToo. Ça veut dire que quand il y a un antibiotique qui sortait, d'autres firmes s'efforçaient de modifier un petit quelque chose pour avoir leur part de marché, sans que ça représente nécessairement une innovation pharmaceutique. Alors, on voit bien que avec l'apparition et la continuation de certaines résistances, on a immédiatement trouvé la parade, c'était d'associer deux antibiotiques en espérant avoir un effet de synergie. Si un antibiotique détruit un pourcentage des cellules, s'il y a un autre antibiotique qui n'a pas les mêmes cibles, rappelez-vous les récepteurs, à ce moment-là, l'association des deux, par exemple les pénicillines avec un inhibiteur de l'enzyme bactérienne qui détruit la pénicilline, ce qu'on appelle les bêta-lactamases, à ce moment-là, on peut espérer vaincre les résistances. C'est quelque part renouer avec le rêve de la thériaque. La thériaque, c'est un médicament qui remonte à l'Antiquité et qui est une drogue aux multiples composés et qui représente ici un pot à pharmacie de la Renaissance, le rêve de la panacée. Mais il faut aussi se rappeler que la société est extrêmement présente dans cette histoire. Et je pense que ce qui l'illustre bien, c'est l'hôpital. En fait, l'hôpital, qui pendant des années avait été synonyme de mouroir et de surinfection, qui était devenu petit à petit le site d'espoir, l'accueil de toutes les innovations, je pense bien sûr à la sérothérapie antidiphtérique à la fin du XIXe siècle, et l'hôpital, qui était non seulement par ses thérapeutiques, mais aussi par l'hygiène rigoureuse, la sepsie, les antiseptiques, l'isolation des malades, tout d'un coup apparaissait comme le centre de la résistance aux antibiotiques. C'est en fait à l'hôpital que des pionniers, dont les noms sont pieusement conservés, Mary Barber par exemple en Angleterre,
est apparu comme le centre de la résistance aux antibiotiques. Il y avait à cela de multiples raisons. Ils abritent des malades affaiblis, dont les défenses immunitaires ne sont pas au mieux, affaiblis aussi par l'âge, et aussi entassés pas loin les uns des autres. Bref, cela explique que très tôt, et un certain nombre de médecins hospitaliers s'en sont rendus compte, des bactéries résistantes y ont été sélectionnées et transmises activement. Mais, et c'est un point important, certaines bactéries, en fait, possédaient déjà des caractères de résistance avant toute rencontre avec l'antibiotique. On sait, par exemple, qu'il y avait des bactéries qui étaient résistantes à la pénicilline avant d'avoir été sélectionnées par lui. Autrement dit, les bactéries elles-mêmes possédaient un arsenal de résistance qu'elles ont mis en œuvre et qu'elles ont développé lorsqu'elles ont été mises au contact des antibiotiques. Mais c'est là qu'est apparue une sorte de divorce entre les médecins hospitaliers, qui sonnaient l'alarme, et les médecins de ville. En particulier aux États-Unis, où la chose a été beaucoup suivie, les médecins ont résisté à la mise en garde des hospitaliers, pour être un peu caricatural. En particulier, ils tenaient à garder leur autonomie, c'est-à-dire à prescrire quand ils le souhaitaient, et ne pas avoir à passer par un comité de savants qui aurait limité leur liberté. Ils ressentaient aussi très mal l'intervention de la FDA, Food and Drug Administration, un organisme dont vous avez beaucoup entendu parler parce que c'est de lui que dépend la mise sur le marché des nouvelles molécules. Et cette administration fédérale aux États-Unis, créée au début du siècle, avait des moyens limités et s'efforçait de ne pas mécontenter les puissantes associations, en particulier la puissante association américaine des médecins. Et donc, les médecins revendiquaient aussi de pouvoir, larga manu, utiliser les antibiotiques sans nécessairement avoir un diagnostic et en quelque sorte le prescrire automatiquement à la demande du patient. C'est là qu'on revient à l'élément constitué par le patient est devenu un consommateur et ne comprendrait pas, disaient les médecins, qu'on ne prescrive pas un antibiotique. Aujourd'hui encore, je pense que nous ne sommes pas toujours si loin de cette... Les malades veulent souvent un antibiotique pour retourner au travail. Cette bagarre entre le FDA et les médecins de ville n'a pas manqué de pittoresque. Les médecins, en évoquant l'intervention de l'État dans leur pratique, évoquaient la Gestapo. Ça dit quelque chose à tout le monde. Ils parlaient, ça évoque moins pour les plus jeunes, le spectre du lysenkisme, c'est-à-dire la doctrine s'opposant à la génétique et prenant l'adaptation des organismes biologiques en fonction de l'activité humaine, qui a été la doctrine un certain temps en honneur en Union soviétique. Mais on voit comment tout de suite le débat a recours à des métaphores politiques. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, aujourd'hui, on considère que pour avoir une nouvelle molécule, un nouvel antibiotique ou un nouveau traitement, il faut recourir à ce qui est essentiel selon la science, c'est à savoir un essai standardisé en double aveugle avec randomisation, etc. Les antibiotiques ont évidemment été l'occasion par tâtonnement, de commencer cette expérimentation décisive. Ça a eu lieu avec, ça ne ressemble pas tout à fait à l'essai clinique tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le premier essai important, il y avait eu des tentatives auparavant. Le premier essai important a été celui en Amérique de la streptomycine, comparable à l'essai anglais de la streptomycine, Medical Research Council d'un côté et administration des vétérans de l'autre. En fait, ces deux essais se ressemblent et diffèrent en même temps. Ils ne se sont pas cités. Il est assez amusant de voir que l'histoire américaine oublie l'essai anglais et vice-versa. Et ces essais sont
ont été très différents, et c'est intéressant de voir à quel point un essai, donc une méthode scientifique qui paraît rigoureuse et qui devrait être appliquée telle qu'elle, en fait, a posé toutes sortes de problèmes et a été très différente d'un cas à l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de tester une population de tuberculeux avec la streptomycine comparable à un essai à l'absence de traitement. La question du placebo avait été éliminée parce que dans la mesure où la streptomycine était injectable, il paraissait difficile de soumettre les patients à des injections qui ne contenaient rien. Le résultat, c'est qu'évidemment, l'essai en double aveugle, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de consentement, que les gens étaient considérés comme consentants évidemment à obtenir un traitement pour leur tuberculose. Autrement dit, il était évident que si vous n'aviez pas de piqûre alors que les autres avaient une piqûre, vous saviez que vous n'aviez pas le traitement. Donc cet essai posait toutes sortes de problèmes éthiques et psychologiques. Et de plus, quand on y regarde de près, le suivi a été fait normalement à l'aveugle par des cliniciens et des radiologues. Et en fait, au moins aux États-Unis, les essais étaient suivis par les radiologues. Certains connaissaient la drogue, avaient reçu la drogue, et d'autres non. Et on constatait que les radiologues qui savaient si les malades avaient reçu l'antibiotique ne voyaient pas les mêmes choses à la radio que ceux qui ne le savaient pas. On constate aussi que la randomisation n'a pas été effectuée correctement. Les médecins des vétérans n'avaient pas envie de priver des malades graves d'un traitement qui risquait de leur apporter la vie sauve. Voilà, c'est donc cet essai qui est considéré comme le triomphe de la méthode scientifique pour évaluer un antibiotique. C'est bien entendu quelque chose qui est tout à fait discutable, mais qui indique quelles sont les difficultés de l'expérimentation pour un médicament, surtout quand il est censé apporter un plus définitif dans un traitement. Ce qui est remarquable, c'est qu'au cours de ces événements, à chaque fois qu'il y avait un nouvel antibiotique et une nouvelle vague d'espoir, elle effaçait, comme l'a dit Shanson en 2000, toutes nos banques de souvenirs. C'est-à-dire qu'on repart avec l'enthousiasme du début, en étant persuadé que cette fois, on tient le bon bout. Alors, les contestataires essayèrent de définir une attitude rationnelle. Il y a eu des guides de l'antibiothérapie, très tôt, mais avec des recommandations qui n'étaient pas appliquées. Les hôpitaux ont toujours essayé de garder des antibiotiques nouveaux en réserve. Mais pour ceux qui, comme moi, ont travaillé au moment du sida, je me souviens bien qu'on nous disait qu'il ne fallait surtout pas utiliser l'augmentin pour le garder pour les malades atteints de sida. Et bien entendu, à l'époque, tous les pédiatres donnaient de l'augmentin à leurs enfants. Ça, ce n'est pas dans un temps préhistorique, c'est il y a une vingtaine d'années. Alors, vous avez déjà eu une idée tout à l'heure avec ce que notre secrétaire perpétuel a rappelé sur les bactéries. En fait, l'analyse des résistances est une véritable dissection de la physiologie et de l'anatomie des bactéries. La génétique bactérienne, d'abord, a analysé finement tous les mécanismes par lesquels les bactéries résistent sur tous les fronts. Ce sont des phénomènes qui ont été sélectionnés. C'est des bactéries qui ont été sélectionnées, mais qui se sont aussi adaptées. Des doses insuffisantes d'antibiotiques peuvent en effet laisser subsister des souches modifiées qui peuvent devenir résistantes, par exemple parce qu'elles perdent les ouvertures, les pores par lesquels l'antibiotique peut pénétrer. Les membranes sont abîmées et ne permettent plus la fixation de l'antibiotique. Enfin bref, il existe, et je n'ai pas voulu entrer dans le détail, des récepteurs, tous les mécanismes par lesquels les antibiotiques altèrent finalement les cibles sur lesquelles ils veulent agir, déclenchent à leur tour d'autres mécanismes de résistance. De 1992 à aujourd'hui, il s'est produit un mouvement de politisation de la résistance à la résistance. On a vu les conséquences sociales de cette résistance. Lederberg a écrit son grand rapport
The Emerging Infections, Microbial Threats in the United States en 92, où là, il désignait clairement les germes résistants aux antibiotiques. À ce moment-là, dans ces années de 90, il est survenu un sentiment de défaite. Il a été exprimé, par exemple, dans la défaite de la santé publique du médecin politologue Aquilino Morelli, et aux États-Unis par la journaliste Laurie Garrett avec ce titre provocateur, l'effondrement de la santé publique. Les antibiotiques, on avait l'impression qu'on avait exploré tous les mécanismes possibles, et d'autre part, comment amener l'industrie à développer de nouveaux antibiotiques et à stopper un marketing non éthique. En effet, l'industrie pharmaceutique a fait un cheval de bataille de l'antibiothérapie pendant longtemps. Certains membres de l'industrie pharmaceutique espéraient que ça deviendrait l'industrie majeure et celle qui gagnerait le plus d'argent. Et la baisse des prix des antibiotiques, en raison des négociations de la sécurité sociale dans les différents pays, a fait que les antibiotiques ne devenaient plus tellement... Alors, des stratégies se sont développées pour réduire la consommation des antibiotiques. Un antibiotique n'est pas automatique. Vous connaissez le refrain. Pour finir, je voudrais essayer de tirer des conclusions sur ce que j'appellerais, un peu en jouant sur les mots, mais pas complètement, la philosophie de l'antibiorésistance. Finalement, ce que nous apprend l'histoire de l'antibiothérapie et des résistances, c'est qu'il faut nécessairement tenir compte dans une histoire savante des réactions des praticiens en contact de leurs malades et des demandes des malades vis-à-vis de leurs médecins. Comment peut-on, dans ces conditions, être rationnel ? Par contre, c'est sûr que l'odyssée des antibiotiques a été l'occasion de découvertes magnifiques sur la physiologie des bactéries in vivo et dans la boîte de Pétri, avec des surprises à cet égard, mais la science ne procure pas toujours les solutions pratiques aux maladies. Deuxième leçon, Burnett rappelait en 1959 qu'il faut porter un égal intérêt aux microbes et à l'organisme ou au duo qu'on connaît bien en médecine, dans l'histoire, sous le nom de la dyade du germe et du terrain. Il y a le germe, mais il y a aussi le terrain. Dubos avait une conception écologique. L'organisme réagit à son milieu externe, mais aussi interne. Il a déjà promu une vision holistique, qu'a renouvelé Lederberg, des organismes plongés dans un environnement complexe, substitué au duel à mort entre les microbes et les organismes humains. La découverte du microbiote est extrêmement importante à cet égard. On connaissait bien sûr les bactéries de l'intestin, on savait que les antibiotiques les perturbaient considérablement, mais on n'avait pas encore envisagé la façon dont le microbiote peut, au contraire, fournir une aide, un auxiliaire à l'action des antibiotiques dans l'organisme. Bref, l'histoire du monde vivant et l'histoire de l'humanité ne sont pas des histoires distinctes, elles sont enchevêtrées sur une voie commune à un rythme accéléré, il reste encore à créer de nouvelles solidarités. Je vous remercie. Ça va pour le temps ? Ok, donc l'orateur suivant, puisqu'on a dit qu'on ne posait pas de questions, on les posera à la fin. C'est un Espagnol qui nous vient de Madrid, qui s'appelle Bruno González Zorn. Il est directeur... d'une unité qui s'appelle Antimicrobial Resistance. Il est aussi à l'école vétérinaire au centre Visavet à l'université de Madrid. Il a réalisé son stage postdoctoral à l'Institut Pasteur chez Patrice Courvalin, et c'est comme ça que je l'ai connu et qu'on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Bruno, c'est à toi. Très bien. Merci beaucoup et merci surtout à l'Académie des sciences pour compter sur moi aujourd'hui pour partager avec vous mes avis sur la résistance aux antibiotiques. Et je m'excuse aussi pour mon français, j'espère que vous me comprenez.
Alors, comme vous savez très bien, on habite dans un univers, et dans cet univers, il y a plusieurs galaxies. Et dans une de ces galaxies, qui s'appelle la Voie lactée, il y a une étoile qui s'appelle le Soleil, et là, il y a la Terre. Alors, la Terre, c'est la troisième planète à partir du Soleil. Donc, la Terre, elle est complètement envahie par des bactéries. Les êtres vivants les plus, avec plus de succès dans la Terre, ce sont des bactéries. Comme être vivant, il n'a rien de plus au niveau de quantité que les bactéries. Et en fait, pas uniquement ça. Les bactéries ont été capables de coloniser tous les écosystèmes de la Terre. Il n'y a aucun écosystème de la Terre qui n'est pas complètement colonisé par des bactéries. Même tous les êtres vivants dans la Terre sont colonisés par des bactéries. Il n'y a aucun être vivant qui n'est pas aussi colonisé par des bactéries. Alors les bactéries, ils sont partout dans la Terre, et c'est grâce à sa capacité énorme et extraordinaire d'adaptation. Et comme ils ont colonisé aussi la Terre, ils sont aussi capables de faire des maladies. Par exemple, une fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une bactérie que ça a disséminé, on sait très bien que ça c'est un clone, que ça a disséminé par la Terre, et qu'elle était capable de tuer à 100 millions de personnes. Une seule bactérie que ça a disséminé. Donc en fait, c'est le seul moment dans lequel les êtres humains, les homo sapiens, les êtres humains dans la Terre, on est descendu en numéro. Donc depuis qu'on est Cro-Magnon, Néandertal, Homo erectus, etc., on était toujours plus, sauf un moment où une bactérie, ça fait fort dans la Terre. Donc le message, c'est une bactérie hors contrôle, c'est très dangereux. Jusqu'au moment où Fleming a découvert, comme vous savez très bien, la pénicilline. Et en fait, on célèbre cette année les 90e anniversaire de son fameux article dans lequel il a publié la pénicilline. Donc il travaillait avec une bactérie qui s'appelait la staph dorée, et comme il n'était pas très propre dans le laboratoire, il faut dire, il a eu des contaminants. Et c'est exactement ça, et j'aimerais aussi aujourd'hui voir des articles écrits comme ça, parce qu'il disait, oui, je travaillais avec des staphylocoques, mais je l'ai laissé aside on the laboratory. Donc, je l'ai laissé juste à côté dans le laboratoire et je l'ai regardé from time to time. Donc, de temps en temps, j'ai regardé et j'ai vu comme plusieurs champignons poussaient dans mes boîtes. Et il a vu dans une de ces boîtes, il avait un champignon qui poussait et qu'à côté de ce champignon, ses staphylocoques, ils poussaient pas trop bien. Donc, il disait, ah, peut-être qu'il ne faut pas continuer à travailler sur les staphylocoques comme il faisait. Peut-être qu'il faut changer mon avis et ma voix scientifique, et ça c'est un message scientifique important. Peut-être qu'il faut changer, peut-être que c'est plus intéressant que je travaille sur ça, que cette champignon produise pour qu'il ne laisse pas pousser mes staphylocoques. Et c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline et il a changé complètement la voix et l'histoire des êtres humains. Et on ne peut pas oublier que dans toute cette histoire, il est une femme très importante. Parce que dans les premiers champignons qui produisent la pénicilline qui était découverte, ces champignons, ils produisaient très peu de pénicilline. Donc, c'était très difficile d'isoler la pénicilline depuis cette petite champignon. En fait, dans les premiers patients au monde qu'on a traités avec la pénicilline, on les donnait la pénicilline et après, on récoltait sa urine pour repurifier la pénicilline de sa urine et la redonner au patient. C'est exactement comme ça qu'on a traité les premiers patients avec la pénicilline. Jusqu'au moment qu'une femme, et c'est pour ça que je voulais dire ça et signaler l'importance des femmes pas reconnues dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à une femme, Elizabeth McCoy, a isolé un champignon qui produisait 100 fois plus de pénicilline que les champignons d'avant. Donc c'est grâce à elle qu'a isolé ce champignon mutant qui produisait énormément de quantités de la pénicilline, que la pénicilline a pu être produite massivement et changer, comme je vous dis, l'histoire de l'humanité. Donc c'est pour ça que ma idée, c'est que les antibiotiques, c'est en fait la plus grande découverte médicale de l'humanité, et j'espère que vous convaincrez de ça. Donc comme vous savez, à partir de là, c'est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à utiliser cliniquement la pénicilline. Et regardez, comme la mortalité des enfants, elle a été d'un coup complètement contrôlée grâce à le fait qu'on commençait à contrôler
les bactéries et regarder l'espérance de vie, comme elle a augmenté, uniquement pour le fait que nous avons commencé à contrôler aussi des bactéries. Et regarder comment le nombre d'êtres humains qu'on est dans la Terre, à partir du moment qu'on utilisait cliniquement les antibiotiques, il a commencé à augmenter. Donc le contrôle des bactéries, comme vous voyez, a complètement changé. A changé tout. Et à partir de ce moment-là, on a ce qu'on appelle le moment d'or de la découverte des antibiotiques. Tout le monde, Waxman, on a entendu parler des professeurs Moulin, tout le monde a commencé à découvrir des antibiotiques là, dehors, dans l'environnement. Parce que c'est dans l'environnement où les bactéries et les champignons produisent leurs antibiotiques, en fait, pour se battre une contre les autres. Donc, si je suis un champignon, je veux coloniser une pomme, donc je produis un antibiotique, et ça empêche les bactéries de manger les pommes. Les antibiotiques sont utilisés comme une espèce de utile de guerre entre les microbes là dehors, dans l'environnement. Donc, c'est là où on a découvert tous les antibiotiques qu'on connaît aujourd'hui. Et on a utilisé les antibiotiques massivement chez l'homme, et on a utilisé les antibiotiques massivement chez les animaux. Et moi, je suis pour l'utilisation des antibiotiques chez les animaux. Donc, parce que les animaux, de temps en temps, ils ont le droit aussi de tomber malade, donc on doit utiliser aussi des antibiotiques. C'est très difficile de jamais tomber malade d'une infection bactérienne. On peut imaginer les appartements de Paris dans lesquels on élève nos enfants dans une ambiance presque stérile, et on stérilise tout ce qu'elle donne, et en fait, ils continuent à avoir des infections bactériennes tout le temps. Donc, je crois que c'est très difficile d'empêcher complètement les infections bactériennes. Donc, c'est pour ça que je crois qu'on doit utiliser aussi des antibiotiques chez les animaux. Il y a une chose très importante, que dans les années 40-50, on a vu que quand on donne des doses d'antibiotiques très faibles pendant toute la vie à un animal, ils grandissent beaucoup. Ils grandissent à peu près 30 ou 40% plus. Et donc ça, pour l'industrie, c'était très important. Donc, dans beaucoup de pays au monde, on utilisait les antibiotiques, pas pour guérir, comme promoteur de croissance. Okay. Et ça, dans l'Union européenne, ça s'est complètement interdit depuis janvier 2006. Okay. Donc ces pratiques, on ne la fait pas du tout, mais on l'utilise en Inde, en Chine et dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est intéressant, cette stratégie fonctionne aussi chez l'homme. Et en fait, l'homme, il grandit aussi plus avec une faible dose des antibiotiques pendant toute sa vie. Et en fait, il y a une fois, on a proposé ça comme instrument pour se battre contre la faim en Afrique. Vous donnez peu des antibiotiques, comme ça, les enfants, ils pouvaient grandir un peu mieux dans l'Afrique avec moins d'aliments. Mais ça, évidemment, ça n'était jamais fait, et ça on va pas le faire. Donc, ça, c'est complètement interdit, comme je suis en train de vous dire. Et donc, grâce au fait qu'on a commencé à contrôler les bactéries, donc avant ça, regardez, juste une petite coupure, une chose comme ça, c'était très dangereux pour notre vie. D'un coup, on pouvait contrôler tout ça, on pouvait faire des choses absolument magnifiques. On pouvait ouvrir un patient pendant 24 heures, et pendant toutes ces 24 heures, et si vous connaissez comment on fait de la chirurgie, même aussi des bactéries, ils tombent dans les patients et tout, on ferme les patients, on les donne un antibiotique et on continue à vivre. Donc on peut faire des choses extraordinaires qu'avant, elles étaient complètement incompréhensibles, impossibles, grâce à l'effet qu'on contrôle des bactéries. Donc, le problème avec les bactéries, est-ce que les bactéries, ils deviennent aussi des résistantes aux antibiotiques, comme Pascal expliquait très bien. Donc, alors, si on est d'accord que les antibiotiques, c'est l'outil le plus important qu'on ait dans l'histoire de l'humanité, j'espère que nous sommes tous d'accord maintenant que la résistance aux antibiotiques est le plus grand défi médical de l'histoire de l'humanité. Et en fait, comme je vous ai dit, la résistance aux antibiotiques, ce n'est pas nouveau, parce que dehors, comme je vous expliquais, les bactéries sont en train de se battre dans l'environnement pendant des années, des millions d'années. Donc ça veut dire que la résistance aux antibiotiques, elle s'est développée aussi pendant tous ces millions d'années. Et donc les bactéries, ce n'est pas maintenant, dans les années 40 ou 50, qu'ils voient pour la première fois les antibiotiques. Les bactéries, ils sont en train de s'entraîner pour se battre contre des bactéries déjà pour des dernières milliers d'années.
millions d'années même. Donc, ça veut dire qu'ils ont développé des stratégies très vite et très efficaces pour se battre contre les bactéries. Donc, c'est un peu intellectuellement myope de penser que juste parce qu'on commence à utiliser cliniquement des antibiotiques, maintenant, on va défier les bactéries. Ça, c'est hors question. Ça, on sait que ça, c'est pas bien parce que les bactéries, comme je vous ai montré, ont des capacités de s'adapter très vite à toutes les circonstances différentes. Et donc, comment ça marche? On a une population de bactéries, on utilise un antibiotique, et la bactérie qui a appris à être résistante à l'antibiotique, elle colonise tout l'écosystème, comme vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Que dans les années 70, à peu près, plus ou moins, on avait dans le marché trop d'antibiotiques. Donc, chaque clinicien, il pouvait voir dans chaque enfant, il pouvait décider pour les guérir avec une tétracycline, une sulfamide, une pénicilline, avec beaucoup, beaucoup des utiles antibiotiques différents. Donc, c'est pour ça que l'industrie s'est concentrée sur d'autres molécules et pas sur des antibiotiques, parce que dans les marchés, il y avait beaucoup d'antibiotiques et qu'ils marchaient très bien. Il faut dire que grâce à ça, grâce à que l'industrie s'est concentrée sur d'autres choses, on a aujourd'hui des très bonnes thérapies contre le cancer, des très bonnes thérapies contre les sida. Donc, des fois, on signale à les boîtes pharmaceutiques pour abandonner ça, mais en fait, c'est grâce à ça qu'on a aussi aujourd'hui des nouvelles molécules. Donc il ne faut pas uniquement montrer que voilà, ils nous ont laissés seuls contre des bactéries, ce n'est pas ça. C'est vraiment que grâce à eux, aujourd'hui, on a d'autres outils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que voilà, qu'aujourd'hui, on n'a aucun nouveau antibiotique depuis de 30 ans qu'on a découvert, et on a utilisé tous ces antibiotiques anciens de la nature, et aujourd'hui, on a beaucoup de résistance. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la résistance? La résistance des antibiotiques tue aux gens directement. Tue aux gens. Ils tuent en Europe plus que le sida. 5 fois plus, 10 fois plus que le sida aujourd'hui qu'on a appris à contrôler très bien. La résistance aux antibiotiques augmente les coûts. On sait très bien que quand on entre dans un hôpital et on est infecté par une bactérie sensible aux antibiotiques, on reste plus ou moins une semaine dans l'hôpital. Mais si on est infecté par une bactérie résistante aux antibiotiques, on reste le double de temps. Et le double de temps veut dire le double de temps qu'on ne va pas travailler, le double de temps qu'on occupe un lit et que ça a un coût des médicales, des infirmières et pour tous les systèmes. Et ça veut dire que le prix économique de la résistance aux antibiotiques est très haut. Pas uniquement d'un vie, mais aussi d'un coût économique. Il menace, comme je vous ai dit, tous les progrès médicaux dans lesquels on est complètement habitué aujourd'hui. Et on a le danger de retourner à une ère pré-antibiotique, que j'aime plus appeler ère post-antibiotique. Donc les êtres humains, on a une ère pré-antibiotique, après une ère antibiotique, et après une ère post-antibiotique, dans laquelle on a trop utilisé les antibiotiques, et les antibiotiques, ils ne marchent plus. Donc on a ce danger maintenant. Et c'est pour ça que les organisations les plus importantes du monde, les SLC, European CDC, CDC, etc., ils ont réalisé que la résistance aux antibiotiques est un problème important. Et en France, en fait, il faut savoir que la résistance aux antibiotiques, elle tue à plus de gens que des accidents routiers. Donc, chaque week-end, on entend « Ah oui, les accidents routiers, c'est un problème en France ». C'est vrai, je crois que c'est un problème, mais il y a des milliers des patients anonymes chaque année et chaque jour, plus de 10 chaque jour, qui meurent silencieusement dans leur hôpital pour la résistance aux antibiotiques. Et c'est pour ça que dans la Organisation mondiale de la santé, on se met ensemble pour savoir quels antibiotiques, ce sont les antibiotiques les plus importants qu'on doit garder pour guérir des êtres humains. Et en fait, ce sont tous ces antibiotiques qu'on utilise tout le temps chez l'homme et chez des enfants. Et c'est pour ça que quand vous allez au médecin, beaucoup de fois, ce qu'on veut, c'est d'isoler la bactérie que vous faites la maladie. Et on fait un antibiogramme. Donc, on doit savoir exactement quel antibiotique on doit utiliser contre cette bactérie concrète qui est en train de vous produire une maladie. Et comme vous voyez, ici, il y a beaucoup de bactéries. Ce sont des disques avec des antibiotiques. Si la bactérie est capable de pousser à côté de l'antibiotique, ça veut dire qu'elle est résistante à l'antibiotique, comme vous voyez bien.
complètement résistante à l'amoxicilline. Mais si elle n'est pas capable de pousser à côté du disque, elle reste loin de l'antibiotique, ça veut dire qu'elle est sensible. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'amoxicilline, on doit utiliser la ceftriaxone, un autre antibiotique. Et c'est pour ça que chaque année, je vous invite à célébrer avec nous le 18 novembre, c'est le jour européen de la résistance aux antibiotiques. C'est très important que nous on réalise que la résistance aux antibiotiques, là, c'est très important. Donc là, on pourrait dire, OK, ça fait beaucoup d'années quand on entend parler de la résistance aux antibiotiques, peut-être là qu'on a commencé à contrôler un peu la résistance aux antibiotiques. Donc ça, ce sont les maps qu'on fait chaque année pour voir la quantité de bactéries qu'on a dans nos hôpitaux en Europe. Et le problème, c'est que là, ça, c'est la dernière map qui est sortie, elle est publiée cette année, que dans aucun pays de l'Union européenne, la résistance aux antibiotiques se réduit. Dans tous les pays de l'Union européenne, sauf quelques petites exceptions, et elle continue. Ça, c'est par exemple, E. coli fluoroquinolone, peu importe, mais comme vous voyez, la résistance aux antibiotiques est hors contrôle. Ça, c'est quelques données en France, par exemple, on a réussi en France depuis le 2010, à réduire les usages des antibiotiques. Et ça, c'est aussi le niveau de résistance des différentes bactéries noires en Europe et vertes en France. Et comme vous voyez, dans certains cas, on contrôle en France la résistance aux antibiotiques un peu mieux que dans la moyenne de l'Union européenne. Donc, on est en France ici en train de faire des efforts. Mais quand même, comme on voit des maps comme ça, on voit aussi que France est un des pays dans lesquels on utilise plus d'antibiotiques chez l'homme. Donc, ça, c'est une chose dans laquelle tous, on est ensemble et on doit se battre. On ne doit pas utiliser des antibiotiques, on ne doit pas réclamer aussi quand on voit au pédiatre, par exemple, mon enfant il pleure depuis quelques jours, s'il vous plaît, on a besoin des antibiotiques. Comme Pascal expliquait, beaucoup de fois, ça, ce sont des infections virales et on n'a pas besoin d'utiliser des antibiotiques. Donc, il ne faut pas réclamer aussi ni au vétérinaire, ni au médecin qu'il vous donne des antibiotiques. Et si vous êtes un prescripteur, il faut penser un peu plus à la résistance aux antibiotiques avant prescrire, avant faire une recette des antibiotiques. Et le futur de la résistance aux antibiotiques, l'estimation, c'est que dans l'année 2050, plus de 10 millions de personnes vont mourir uniquement de la résistance aux antibiotiques. Alors, dans l'année 2050, je vous rappelle, l'année prochaine, c'est 2020 déjà, la première cause de mort dans la Terre va être la résistance aux antibiotiques. Si on continue comme on est la voie dans laquelle on est maintenant, que c'est une voie dans laquelle la résistance aux antibiotiques est hors contrôle. Donc, une des raisons pour laquelle je crois qu'on a... On n'a pas vraiment réussi à se battre contre la résistance aux antibiotiques, c'est qu'on a essayé de se battre contre la résistance aux antibiotiques dans des environnements différents et d'une façon isolée. Donc, les professionnels qui travaillent dans les hôpitaux, ils se sont concentrés sur se battre contre la résistance aux antibiotiques dans leurs hôpitaux, ou les gens qui travaillent avec les animaux, ils se sont concentrés sur leurs animaux, ou les gens qui travaillent sur l'environnement, ils se sont concentrés sur l'environnement. Mais les bactéries, comme on a vu très bien, ils ne restent pas spécifiquement dans un écosystème. Ils ne restent pas dans l'hôpital, parce que vous allez visiter quelqu'un, vous sortez de l'hôpital, après une chirurgie, vous sortez aussi normalement colonisé avec des bactéries de l'hôpital, vous allez et vous caressez votre chien dans votre maison et vous parlez à vos enfants et pendant que vous êtes malade, des gens viennent vous visiter. Donc tout ça fait un mouvement des bactéries et des gènes de résistance partout qui fait que la dissémination des mécanismes de résistance et des bactéries résistantes est très dangereuse et très vite. Et je crois que on ne s'est pas concentré vraiment sur comprendre les flux de toutes ces bactéries pour tous ces écosystèmes différents. Un jour super important dans toute cette histoire, c'était novembre de 2016, quand la United Nations, la Nations Unies a déclaré officiellement que les problèmes de santé les plus importants dans la Terre, c'est la résistance aux antibiotiques. Et ça, ce n'est pas évident. C'est dans l'histoire des Nations Unies, uniquement 4 fois, les Nations Unies ont déclaré qu'une question de santé, c'est la question la plus importante de la Terre. Une fois, c'était le sida, une autre fois, c'était l'Ebola,
Une autre fois, c'était les maladies chroniques. Et là, c'est la résistance aux antibiotiques. Donc, ce n'est pas que chaque deux jours, la Nations Unies dit que... Non, c'est vraiment très exceptionnel parce que vraiment, on a vu que là, ça, c'est l'épidémie la plus grave dans laquelle on est mis aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement là, c'est aussi dans les G20. Et ça, c'est les G20 de 2017, la première fois où Merkel a été avec Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait beaucoup de tensions. Mais là, ils ont déclaré dans cette réunion, dans les G20, qu'il faut se battre contre la résistance aux antibiotiques d'une façon de One Health. Qu'est-ce que ça veut dire, One Health? Je vais vous expliquer ça. One Health, c'est le concept de, que c'est pour se battre contre une maladie ou contre la résistance aux antibiotiques, ça ne suffit pas de se battre uniquement dans un écosystème comme je vous ai montré. Et qu'il faut voir la santé de la Terre comme un concept de santé unique. Comme je vais vous donner un exemple que ce n'est pas la résistance aux antibiotiques. Ebola. Comment on a réussi à commencer à contrôler l'Ebola? Si on attend dans un hôpital à que les patients d'Ebola entrent un après l'autre, l'épidémie va se déclencher complètement dehors de l'hôpital. On ne peut pas uniquement attendre à l'hôpital à que les patients entrent. Il faut savoir d'où vient le virus, comment il bouge, d'où on peut le contrôler. Et c'est là où on a appris. Ah! C'est les chauves-souris dans le centre d'Afrique qui, en fait, sont en train de disséminer ce virus. Et c'est là où on contrôle l'épidémie au monde. Donc, c'est dans l'environnement, chez les animaux, une fois qu'on a compris les flux de ce virus. Donc, le concept de One Health, de santé, d'une santé, ce n'est pas uniquement un concept dans la résistance aux antibiotiques, c'est en général dans le contrôle de presque toutes les maladies. Donc, là, on a réalisé que le concept de One Health pour contrôler la résistance aux antibiotiques, c'est très important. Et là, dans la dernière réunion, dans la 2019, dans le G20, on a vu qu'on doit, parce qu'on a vu que ce n'est pas suffisant, accelerate the efforts based on the One Health approach to tackle antimicrobial resistance. Donc, on doit accélérer nos efforts et dans une philosophie de One Health, donc de santé unie, pour se battre contre la résistance aux antibiotiques. Et c'était maintenant le 29 juin 2019. En Europe, on est en train de construire un institut virtuel contre la résistance aux antibiotiques. Donc, tous les pays en Europe, associés au Canada, Japon, Argentine, aussi avec des pays dehors, on est en train de coordonner un institut virtuel pour se battre ensemble contre la résistance aux antibiotiques. Parce que, comme vous avez compris, j'espère très bien, c'est que les bactéries aussi, ils voyagent aussi facilement entre des pays. Chaque fois que vous prenez un avion, vous prenez avec vous beaucoup et millions de bactéries. Donc, le transport des bactéries est très important. Donc, ça veut dire que c'est très important aussi de contrôler et de coordonner avec d'autres pays. Et le problème de la résistance aux antibiotiques, c'est que les bactéries, ils ne gardent pas leur information de la résistance aux antibiotiques pour eux-mêmes. Les bactéries, ils sont capables de se transférer de l'information génétique complètement comme ça tout le temps. Tout le temps. Et donc, ça veut dire que si une bactérie apprend à devenir résistante aux antibiotiques, elle partage ça immédiatement avec tous ses collègues. Et ça c'est une des façons les plus importantes. C'est difficile à comprendre comment ça marche, parce que nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas capable d'échanger notre ADN entre nous, notre information génétique, mais les bactéries, ils peuvent, même sans se contacter. Donc, ça c'est une des raisons pour la dissémination très importante de la résistance aux antibiotiques. Alors, ça veut dire que quand on utilise un antibiotique, le problème, ce n'est pas uniquement la bactérie qui nous donne une maladie, c'est aussi toutes les bactéries commensaux, toutes les bactéries de notre intestin deviennent aussi résistantes aux antibiotiques. Et elles gardent cette gène de résistance, cette information génétique, qu'après, ils passent à l'autre bactérie. Donc, toutes les bactéries deviennent résistantes. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très important et qu'utiliser un antibiotique, c'est quelque chose qu'on doit faire avec beaucoup d'attention. Comme je suis en général dans mon esprit plutôt optimiste, je crois qu'on ne va pas tous mourir demain, mais je crois que ça c'est vraiment, vraiment un problème. J'espère que vous avoir convaincu que c'est pas très intelligent de travailler. Je suis optimiste, donc c'est pas très intelligent de travailler dans un compartiment très 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 éloigné. Je crois que j'espère vous avoir convaincu qu'il y a un échangement complet tout le temps des gènes de résistance et des bactéries entre tous ces écosystèmes et que la solution, sans doute, ça va être de travailler tous les professionnels dans l'environnement, chez les animaux, qui travaillent chez les aliments et aussi avec les humains ensemble. Et c'est la seule façon dans laquelle on va être capable de se battre contre la résistance aux antibiotiques. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Donc, comme on l'a dit, les questions à la fin. Oui. Avant de donner la parole à Marc-André Sellos, ce que fera Pascal Cossard, je voudrais dire deux mots. Nous connaissons Marc-André Sellos qui est déjà venu ici dans une magnifique conférence sur la biodiversité, je crois bien. Vous avez publié un livre, je m'excuse de ne pas avoir le titre présent en esprit, Jamais seul, qui est un livre magnifique. Et donc, nous sommes très heureux de... vous écoutez. Merci de cette introduction. Merci aussi de l'occasion d'abord d'écouter ces deux exposés qui ont précédé et qui ont planté l'essentiel du décor. En réalité, je vais rajouter juste un détail là-dessus. C'est de positionner justement cette lutte contre les microbes défavorables au milieu d'un océan de microbes favorables. Ce qui fait qu'on n'est jamais seul, justement. Alors, évidemment, tout le monde a entendu parler de microbiote. Nous sommes habités d'un grand nombre de bactéries. Quelques noms des principaux groupes se figurent à l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes habités dans toutes nos surfaces et toutes nos cavités. Nous sommes profondément habités d'une multitude bactérienne, une multitude qui, quand on la numère, représente autant de cellules microbiennes que de cellules humaines. Dieu merci, elles sont un peu plus petites que les nôtres, ces cellules bactériennes, et donc elles ne représentent à tout casser qu'un gros kilo de matière bactérienne, et elles sont guerroyantes, mais elles sont très présentes. C'est sans doute moins le nombre des cellules qui est intéressant que le nombre des espèces qui sont présentes, qui fait sens. Regardez plutôt, on est, vous et moi, porteurs d'environ 1 000 000 d'espèces de bactéries différentes. Chacune de ces bactéries est équipée de gènes multiples. Et le total des gènes que nous portons, qu'on appelle parfois le total des gènes des microbiotes que nous portons, qu'on appelle parfois le microbiome, c'est 100 fois plus de gènes que nous n'en avons nous-mêmes dans nos cellules, que nous n'avons de gènes humains. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une boîte à outils prodigieuse qui nous colonise régulièrement. Nous sommes tous colonisés et dans cette boîte à outils, nous avons tiré des fonctions sur lesquelles notre vie s'appuie. Je vous montre ici, chaque colonne dans ce diagramme, c'est une personne différente. Et on regarde sur sa langue ou dans ses intestins les grands groupes qui sont présents. On s'aperçoit que d'une colonne à l'autre, les groupes présents ne sont pas... Ce sont les mêmes grands groupes, mais ils ne sont pas présents dans la même abondance. Vous et moi différons par les microbes qui nous habitent. Si maintenant on regarde l'ensemble de leurs gènes, et qu'on classe ces gènes par grandes fonctions, c'est le deuxième panneau, on s'aperçoit que d'un individu à l'autre, les grandes fonctions des gènes des microbes embarqués sont les mêmes. Nous différons par nos microbes, mais beaucoup moins par les fonctions qu'ils amènent dans notre organisme, beaucoup moins par les gènes qu'ils contiennent. Il y a une sorte de redondance. Vous et moi avons des microbes différents, mais ces microbes ont plein de gènes, et parmi tous ces gènes, finalement, vous et moi, nous avons embarqué les mêmes gènes microbiens, ou des gènes, en tout cas, dont les fonctions sont semblables. Et les apports à notre fonctionnement peuvent être les mêmes. L'un des apports de ces multiples gènes bactériens à notre fonctionnement sont des apports à l'immunité. Il faut bien comprendre que les microbes qui nous habitent ont garde-manger, mais aussi habitat chez nous. Pour eux, notre santé est quelque chose de déterminant dans leur propre survie. Et quelque part, beaucoup de leurs activités qui concourent à les défendre eux-mêmes vont passer par la défense de l'organisme qu'ils habitent. Regardez plutôt. La grande protection de base, qui est une protection qui vaut aussi pour les aliments fermentés d'ailleurs, c'est l'acidification. L'acidité est souvent bactériostatique. Et il y a deux portions de notre organisme où l'acidification est un volet majeur de la protection. Sur la peau, les propionibactéries sécrètent cet acide propionique qui donne à la peau mal lavée d'ailleurs une odeur un peu fromagée, hein, parce que l'acide propionique, c'est ce qui donne l'odeur aux gruyères, par exemple. Bon. Mais c'est un acide avant tout. Et les propionibactéries de la peau, en acidifiant la peau, font écran à l'installation de bien des désagréments microbiens, de bien des microbes qui seraient défavorables. L'autre endroit, c'est le vagin, dont la flore fermentaire, essentiellement des lactobacilles, abaisse le pH d'un point, c'est-à-dire que
Le vagin est plus de 10 fois plus acide qu'il ne devrait l'être par ses propres sécrétions, et c'est une des protections vaginales majeures que cette acidification des sécrétions vaginales par les lactobacilles. Je vais prendre un autre exemple, qui est encore plus parlant, je crois. C'est le staphylocoque doré. 20% d'entre nous, ici, sont porteurs du staphylocoque doré, mais bien moins d'1% développeront un jour une maladie à staphylocoque doré. Pourquoi ? Parce que nous sommes porteurs, oui, mais ces staphylocoques dorés se retrouvent prisonniers de microbiotes complexes qui interfèrent avec leur fonctionnement. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, sur la peau, il y a des levures. Donc là, c'est plutôt des champignons microscopiques. Mais donc des microbes qui fabriquent des protéases qui empêchent les staphylocoques dorés d'adhérer entre eux. Or, quand ils adhèrent entre eux, ils font ce qu'on appelle des biofilms qui les rendent plus résistants au frottement et qui, comme ils sont amassés en groupe, font que ceux du milieu sont protégés d'éventuels antibiotiques ou d'éventuels savons. Empêchés qu'ils sont, par les malassezias, de faire des groupes, ils deviennent plus vulnérables au frottement et au traitement qu'on leur inflige. Dans le nez, il existe un autre staphylocoque découvert à Lyon, comme son nom l'indique, pour ceux qui par le latin en tout cas, le staphylocoque de Lyon produit un antibiotique qui empêche la formation de la paroi, une des cibles que vous aviez montrées, empêche la formation de la paroi et est défavorable à la prolifération du staphylocoque doré. Donc finalement, il est là, ils sont là, ils se multiplient comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas assez se multiplier pour passer au stade de nous imposer une maladie. Ce qui compte, ce n'est pas d'être porteur ou non du staphylocoque doré, c'est la compagnie microbienne qu'a ce staphylocoque doré. Mais la contribution à notre immunité des microbes n'est pas qu'une contribution directe. Elle revêt aussi des aspects indirects. Et ça, on l'a compris en étudiant des souris placées dans des environnements stériles, dans des bulles stériles, où on pulse un air complètement dépourvu de microbes. Elles y ont été placées à la naissance après une désinfection qui les a privées de tout microbe. Ces souris, que l'on dit souvent axéniques, qui sont privées de xénos, les étrangers, bon là c'est du grec pour le coup, ces souris privées d'étrangers, c'est-à-dire privées de microbes, ces souris exéniques, peuvent être comparées à des souris ordinaires et révéler l'étendue des actions indirectes du microbiote sur le système immunitaire. Regardez plutôt. Ces souris exéniques nous démontrent comment sans microbes, le système immunitaire est tout simplement non formé, non mature. Les organes lymphoïdes, où s'accumulent les globules blancs, comme par exemple les plaques de Peyer du tube digestif, mais aussi tout un tas d'autres organes lymphoïdes périphériques, sont sous-développés dans ces souris-là. D'autre part, elles sous-expriment un certain nombre de gènes, comme les complexes majeurs d'histocompatibilité ou les anticorps sécrétoires, les IgA. Elles sous-expriment un certain nombre de gènes. En réalité, leur système immunitaire n'est pas mûri. Mais au contraire, on peut expérimentalement montrer qu'en redonnant des microbes à ces bactéries, on restitue le phénotype attendu. C'est-à-dire qu'on restitue le développement des organes lymphoïdes, on restitue la production d'anticorps, l'expression des gènes de l'immunité, et ceci même alors qu'il n'y a pas de réaction immunitaire. Ce que je veux dire, c'est que les bactéries qu'on leur donne, qui peuvent d'ailleurs même être tout simplement des fragments de bactéries, d'ailleurs des fois on n'est même pas obligé de mettre des bactéries entières, ne provoquent pas de réponse immunitaire, mais sont un signal qui contribue à mûrir le fonctionnement du système immunitaire. Regardez plutôt ce qui arrive quand on inflige à des souris une leishmaniose, un parasite qui creuse des trous dans la peau, qui n'est pas un parasite de souris. Une souris contrôle normale fait une papille de réaction qui très rapidement, avec une petite croûte, exclut le pathogène et elle n'est pas atteinte de cette maladie. Une souris exénique, dont vous repérez que la peau d'ailleurs est un peu mal faite parce qu'elle est quand même beaucoup plus mince que celle d'une souris normale, a une papille de réaction mais qui est insuffisante. La maladie commence à se développer. Ceux qui sont les plus près de l'écran voient presque déjà les trous qui se forment. Elle attrape la maladie. La taille des lésions n'est pas la même et est insuffisante chez les souris exéniques. Si maintenant, quelques jours avant l'inoculation de la leishmaniose, on procède à une réintroduction sur la souris exénique de bactéries ordinaires de la peau. Les Staphylococcus epidermidis, ce sont des bactéries dont vous et moi sommes, chacun d'entre nous, porteurs d'une bonne centaine de millions, donc une grande banalité de la peau des vertébrés terrestres. Eh bien, à ce moment-là, quand quelques jours après on inflige la maladie, la lésion a une taille plus importante. Et la plupart des souris échappent à la maladie. Si l'on regarde la quantité de lymphocytes capables d'exclure la leishmaniose qui prolifère en réponse à l'attaque, on s'aperçoit qu'on a une certaine réponse dans les souris contrôles,
qui contribue à rejeter la maladie, une réponse bien inférieure dans les souris exéniques, qui n'est pas à même de rejeter la maladie, mais une réponse qui, en termes de quantité de lymphocytes, est restaurée à son niveau normal dans les souris exéniques qui ont retrouvé leur staphylocoque de la peau. Et j'insiste là-dessus, il s'agit de la prolifération après la présence de l'échmaniose et non pas du tout, bien sûr, d'une prolifération en réponse au staphylocoque. Ce ne sont pas du tout les mêmes lymphocytes qui proliféreraient si tant est qu'il y avait une réponse immunitaire. En fait, derrière cela se cache l'éloge de la saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination de notre organisme qui joue à la fois directement contre les indésirables, mais qui joue aussi dans la maturation de notre système immunitaire. Et ici, si je puis paraphraser Lévi-Strauss, nos Occidents sont tristes, car ils sont privés de microbes. Une comparaison de tribus non contactées, les Yanomami, de tribus peu contactées par les Occidentaux et donc peu occidentalisées, les Guaibo et les Malawi, et puis des États-Unis, révèlent à quel point, d'abord quantitativement à droite, les types de microbes présents sont différents, et notamment très différents chez les Américains, donc qui ont des types de microbes complètement différents, puis surtout, regardez sur les nombres à gauche, on voit très bien qu'en gros, il y a une fois et demie moins de microbes dans le microbiote digestif des Européens que dans celui, par exemple, des Yanomami. Alors, on est effectivement des îles inaccessibles pour les microbes, tant nos pratiques culturelles ont entériné les leçons de l'hygiène au point de nous rendre non colonisables. L'effet positif ne s'est pas fait attendre, et j'emprunte à l'un de vos collègues un diagramme publié dans les années 90, je crois, ou non, pardon, 2000, puisque c'est la dernière date, où on voit très bien les effets positifs de cette hygiène, mais d'un autre, et notamment aussi des antibiotiques. Mais ce qu'on voit aussi, c'est émerger des maladies de la modernité qui touchent le fonctionnement du système immunitaire avec l'asthme, où le système immunitaire réagit trop, ou bien des maladies auto-immunes, où le système immunitaire attaque l'organisme lui-même, comme la maladie de Crohn, par exemple. Des maladies aussi du métabolisme, comme le diabète ou l'obésité. Et enfin, elles ne sont pas sur l'écran, des maladies aussi du système nerveux. Dans toutes ces maladies de la modernité, en pleine croissance, dans le cas de l'autisme, on est sur un facteur 10 en 30 ans. Dans tous ces cas-là, quand on compare les gens atteints des symptômes à des gens sains, on s'aperçoit que leur microbiote est d'abord différent et deuxièmement et surtout moins diversifié, en particulier celui du tube digestif, mais aussi pour l'asthme, celui des poumons, car il y a un microbiote dans les poumons aussi. Alors ça, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de la maladie qu'il présente ? Eh bien, en fait, on sait que souvent, la dérive de composition s'opère avant la maladie. Et d'ailleurs, c'est un formidable espoir de diagnostic avant l'établissement des symptômes. Deuxièmement, on a, pour toutes les maladies que j'ai citées, au moins quelques expériences cliniques où on transfère le microbiote d'individus sains à des individus malades et on voit les symptômes régresser. Bon, ils ne régressent pas complètement et d'ailleurs, ils finissent par revenir. Et d'ailleurs, quand ils reviennent, on voit se réinstaller le microbiote ordinaire de l'individu malade, ce qui signe bien le lien entre les deux. Donc, ce microbiote est une cause parmi d'autres. On n'est pas réductionniste ici, conscient que des facteurs génétiques ou environnementaux vont aussi conduire aux symptômes. Mais le fait important est que l'une des causes, et sans doute un des leviers potentiels pour l'avenir, c'est le microbiote. C'est une histoire qui nous tracasse, car on sait qu'en 2025, un quart des Occidentaux seront ennuyés par ces maladies de la modernité. En fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr, il y a une redondance. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes microbes pour avoir finalement les mêmes gènes des microbes. Je vous le disais tout à l'heure. Mais à force d'éroder la diversité, on finit par ne plus avoir une seule espèce portant une des fonctions nécessaires. Et quelque part, quand on érode la diversité taxonomique, on finit par éroder la diversité fonctionnelle et perdre certaines fonctions. Quand je tape « érosion de la biodiversité » sur Internet, je trouve ça. Mais en fait, l'érosion de la diversité, elle est aussi microbienne. Et elle est aussi au fond de nous. Et d'une certaine façon, vous faisiez le lien, Bruno, avec l'environnement et les écosystèmes qui nous entourent, mais aussi, il y a l'écosystème intérieur. Il est endommagé et il est durablement endommagé car un certain nombre d'habitudes de l'hygiène sont profondément inscrites dans nos habitudes. Aujourd'hui, les gels hydroalcooliques, par exemple, signent des agressions permanentes au microbiote cutané, bien loin d'endiguer, bien loin de prendre en compte sa valeur protectrice. Et vous savez,
C'est même réglementaire, cette histoire-là, car on voit aujourd'hui émerger des interdictions, notamment de consommer des fromages au lait cru pour les enfants de moins de 5 ans, et bientôt, sur les conseils de l'ANSES, de moins de 10 ans. Dans les cantines, c'est déjà acté, pour les enfants de moins de 5 ans, il n'y aura plus de fromage au lait cru. En réalité, nous continuons à appauvrir les occasions d'être colonisés et d'engranger les bienfaits de la saleté propre. Alors, les antibiotiques. Bon, déjà, les antibiotiques, ils ont un plus et un moins au moins. Alors, sans doute, ce qu'ils ont de plus superbe, c'est leur non-spécificité. On l'évoquait tout à l'heure, et vous l'évoquiez dans votre exposé, Anne-Marie, c'est cette puissance, finalement, de choses qu'on peut donner pour quel que soit le microbe. Beaucoup d'antibiotiques ont un spectre large. Et donc, il y a une facilité d'emploi. Maintenant, leur défaut majeur, c'est leur non-spécificité. Parce que, justement, ils vont s'attaquer, au passage, à, j'allais dire des innocents, à toute une multitude bactérienne, notre microbiote. Et de fait, quand on regarde des patients non traités ou traités par ampicilline ou vancomycine, on voit très bien, chaque patient c'est une colonne, on regarde l'intestin ou l'appendice, et les couleurs c'est les grands groupes bactériens. On voit très bien qu'il y a une dérive lors du traitement, une dérive de la composition du microbiote. Qu'en est-il sur le long terme et quand l'antibiothérapie se termine ? Voilà représenté dans un diagramme en deux dimensions la diversité microbienne, et on voit très bien ici, au cours du temps, le temps passe, vous voyez, c'est les couleurs qui vont du haut vers le bas. On voit très bien qu'au cours du temps, on commence en vert foncé à une position, ensuite le microbiote dérive, mais au bout de quelques temps après le traitement, il revient à sa composition ordinaire. Ce que montrent ces diagrammes, c'est que finalement, la flore revient à l'équilibre après la perturbation antibiotique. Et par exemple, quand je prends un patient standard, vous voyez, au jour 0, il a une certaine composition de son microbiote. Au jour 7 et 21, l'antibiothérapie fait dériver sa composition. Mais ensuite, quand je le prends 3 mois, 12 mois, 9 mois, 18 mois, 24 mois après, il revient à sa composition originelle. Sauf qu'il y a des patients qui ne reviennent pas à la composition originelle. Voilà un autre patient qui, lui, au jour 0, il avait une composition de son microbiote. Au jour 7 ou au jour 21, il a dérivé. Mais 24 mois après, il est toujours resté scotché à la nouvelle composition que lui ont imposé les antibiotiques. Nous ne sommes pas égaux du point de vue de notre réponse aux antibiotiques. Alors ça, c'est une chose importante, qu'il faut prendre en compte, je pense, pour l'avenir. Bien sûr, on peut essayer de contrecarrer les effets des antibiotiques quant à la diversité du microbiote en s'inoculant des microbes post-traitement. Vous connaissez l'ultralevure, qui a plutôt un effet indirect, d'ailleurs. Mais tous les probiotiques, puisque c'est le nom qu'on donne à ces microbes qu'on s'inocule éventuellement après un traitement antibiotique, n'ont pas un effet positif, en tout cas pas un effet innocent. C'est l'histoire d'un mélange de 11 probiotiques qui est donné à des patients après une antibiothérapie. Alors vous voyez qu'au moment où on commence l'antibiothérapie, on a par rapport à la valeur zéro une grande dérive de composition du microbiote intestinal de ces patients. Bon, alors les patients, ils ont reçu juste l'antibiotique, c'est tout. Ils ont reçu des probiotiques juste après l'antibiotique, en vert. Et puis, il y a ceux qui ont reçu une petite capsule où on a mis tout simplement des selles du patient prélevées avant l'antibiothérapie. Donc, en fait, on leur réinocule leur matière fécale. Alors, regardez. Quand on a cette tendance au jour 5, mais mettons-nous 180 jours après. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, la plupart des patients, vous voyez, sont revenus en rouge à l'équilibre. Ils ne sont plus très loin du point de départ. La plupart des patients qui ont subi un autotransfert aussi, d'ailleurs, ils sont revenus beaucoup plus vite à l'équilibre grâce à cet autotransfert. Par contre, ceux qui ont pris les probiotiques, les probiotiques se sont installés, mais les probiotiques, ce n'est pas forcément ceux-là qui étaient présents avant. Leur flore a été durablement modifiée. On joue beaucoup aux apprentis sorciers sur le microbiote, d'abord avec les antibiotiques, mais aussi parfois, et je ne dis pas que c'est le cas de tous les probiotiques, mais avec certains probiotiques, on continue à jouer aux apprentis sorciers avec notre microbiote. Bon, alors, terminons sur le mot sans lequel la biologie n'a pas de sens, l'évolution. Je voudrais placer l'antibiothérapie dans une perspective évolutive. Ce sera peut-être mon seul apport utile à ce débat. On a parlé de cette non-spécificité. Cette non-spécificité qui est un peu la force pratique, puisqu'on peut prescrire un antibiotique sans trop savoir de quoi est malade le patient, du moment qu'on est sûr que c'est une bactérie. D'abord, elle conduit à un affaiblissement, puisqu'elle touche à d'autres microbes et qu'elle prépare votre vulnérabilité, ou qu'en tout cas, elle abaisse votre garde microbienne pour le lendemain. Je voudrais m'arrêter un instant sur la phagothérapie, cette perspective de soigner des maladies bactériennes avec des virus.
On a souvent dit qu'elle n'avait jamais été explorée, mais ce n'est pas vrai. Dans les années 20, elle est explorée en Allemagne, elle est explorée aux États-Unis, elle est explorée en France. Et elle est explorée, mais rapidement, les antibiotiques vont la détrôner. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez soigner avec un virus de bactéries, qui tue vos bactéries, eh bien, il faut savoir quelle bactérie vous avez et à quel virus elle est sensible. Donc il faut d'abord prélever la bactérie, l'élever et ensuite tester des virus. Puis vous pourrez appliquer le traitement. C'est lourd, ça n'a pas justement l'avantage d'un antibiotique qui est non spécifique et qu'on va pouvoir prescrire sans trop savoir ce qui se passe. Donc c'était lourd et ça a en fait cédé la place aux antibiotiques. Mais c'était lourd, mais ça avait un intérêt. On a parlé des transferts de résistance, Bruno vous en avez parlé, entre les bactéries, qui sont quelque part quelque chose qui fait qu'une résistance qui apparaît dans une bactérie finit par être utile aux autres. Mais réalisez que la non-spécificité va augmenter le nombre d'espèces parmi lesquelles on va sélectionner la résistance. Puisque plein d'espèces sont enquiquinées par l'antibiotique, toutes ces espèces vont être des lieux où vont s'opérer des sélections de résistance. Vous augmentez le nombre de populations dans lesquelles vous sélectionnez la résistance. Donc vous augmentez la probabilité qu'une résistance apparaisse et comme ensuite elle se transmette, eh bien, vous finissez par en être agacé. Réfléchissons deux secondes à comment notre organisme gère les microbes. Sans refaire le portrait du système immunitaire, il joue à l'évolution. Dans le fonctionnement du système immunitaire, nous arrivons à vaincre le fait que nos générations ne nous permettent pas d'évoluer aussi vite que les microbes. Rappelez-vous ce qui fait un globule blanc, un lymphocyte. D'abord, il subit des tas de mutations aléatoires, un peu comme dans l'évolution, les mutations sont le substrat de l'évolution. Puis il subit deux cycles de sélection. Le premier qui élimine tous ceux qui attaquent l'organisme. Tant mieux. Première sélection. Reste des lymphocytes capables d'attaquer un peu n'importe quoi. Et quand une bactérie rentre, quand un microbe rentre, qui est peut-être nouveau parce qu'il vient d'évoluer, il n'était pas là au moment où vous êtes né, n'est-ce pas ? Quand ce microbe rentre, eh bien, il va éventuellement allumer et sélectionner la prolifération d'un de ces globules blancs. Le système immunitaire n'a pas été bien compris comme si, quand on l'a considéré comme un système immunitaire. C'est un organe à jouer à l'évolution pour rattraper la vitesse d'évolution des microbes, alors même que notre rythme de reproduction et notre rythme de génération est bien sûr beaucoup plus lent et pesant que celui des microbes et donc leurs variations. Le système immunitaire est un organe à évoluer et la réponse biologique que nous avons trouvée aux microbes pathogènes, c'est l'évolution. Alors, quand la réponse médicale au problème bactérien sera-t-elle une réponse évolutive ? Alors, je vais vous dire, dans l'urgence, elle finit par l'être. La trithérapie. La trithérapie, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle un mur sélectif. Vous mettez trois drogues. Il faut trois mutations pour arriver à résister aux trois drogues. La probabilité de mutation est d'une chance sur 1 million. La probabilité d'avoir les trois mutations à la fois dans le même virus, c'est une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions. Ben ça fait plus de virus qu'il y en a dans un individu. Vous avez court-circuité la possibilité d'évoluer pour le virus. Donc, la médecine peut, mais elle le fait empiriquement, et pas d'une façon, pardon de le dire, pas d'une façon pensée théoriquement, elle peut empiriquement retrouver des logiques qui sont des logiques évolutives. Et pour l'antibiothérapie, eh bien, il est temps de se dire que rien n'a de sens si ce n'est à la lueur de l'évolution, et peut-être d'avoir une stratégie qui est une stratégie coordonnée dans des changements interannuels d'antibiotiques, ou bien dans des cumuls d'antibiotiques, qui pensent à l'échelle globale, bien sûr je rêve, mais qui pensent à l'échelle globale l'utilisation des antibiotiques pour créer des murs sélectifs. Tant qu'on n'en est pas là, eh bien, on est prisonnier du fait suivant, qui est une évidence absolue, il a même été évoqué dans l'exposé précédent. La résistance est consubstantielle à l'antibiotique. On ne produit pas un antibiotique sans y être résistant. Sinon, on en meurt et on ne joue pas au reste de l'évolution. Elle est consubstantielle. Et jusqu'ici, la médecine a juste couru derrière une vague née au creux de l'apparition des antibiotiques, qui est la vague de la résistance. Nous courons devant une vague. Et si nous prenons un peu de hauteur, ce qui en biologie, à mon avis, s'appelle l'évolution, peut-être nous pourrons trouver le moyen de court-circuiter ces vagues. Mais les Yanomamis, qui n'ont jamais vu d'Européens ni d'antibiotiques, ont déjà un arsenal de résistance aussi varié que les Occidentaux. Et donc il n'est pas inattendu que les résistances nous ennuient, seule l'évolution nous tirera
de ce qui est malheureusement, et c'était bien illustré numériquement dans l'exposé précédent, un terrible risque de faux pas pour l'humanité. Exposons maintenant ouvrir la discussion. Donc, on va prendre les questions à gauche, à droite, derrière. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Alors, vous essayez d'être proche d'un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Non, 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 vous vous mettez à un micro, s'il vous plaît. Merci. Si j'ai bien compris, ici, par exemple, dans cette salle, nous vous adressez à qui spécifiquement ? Je ne sais pas. D'accord, ok. Je ne sais pas. Ma question est à large spectre, on D'accord. va dire. Si j'ai bien compris, donc nous avons tous plus ou moins été traités par antibiotiques dans nos vies jusqu'à présent. Donc on court certains dangers, mais est-ce que c'est irréversible ? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de ce soir, maintenant qu'on a bien compris tous ces mécanismes, si on cesse d'utiliser des antibiotiques pour un peu tout et n'importe quoi, est-ce que nos organismes vivants vont pouvoir se nettoyer des antibiotiques ? Vas-y, Bruno. Merci, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, une des stratégies qu'on a utilisées, qu'on utilise aujourd'hui au monde, c'est très bien, on va utiliser moins des antibiotiques, et comme ça, on a l'espoir que les bactéries vont devenir susceptibles aux antibiotiques. Est-ce que ça se passe toujours ? Non. Malheureusement, ça se passe toujours. Ça dépend de le coût que pour la bactérie, ça a d'être résistante. Donc, pour certaines bactéries, être résistante, ça a un coût biologique important. Donc, ça veut dire qu'il se multiplie moins vite et ça a un coût. Donc, dans ce cas-là, si on n'utilise pas des antibiotiques, la bactérie qui n'a pas ce coût-là, voilà, ils vont se multiplier très bien. Donc, les bactéries vont être sensibles aux antibiotiques facilement. Mais malheureusement, les antibiotiques sont très intelligents. Et malheureusement, il y a certains mécanismes de résistance aux antibiotiques qui n'ont presque aucun coût pour la bactérie. Et on a fait des expériences dans le laboratoire, c'est très facile à faire. Tu mets ensemble une bactérie résistante et sensible, et tu les mets sans antibiotiques, et tu regardes après qu'est-ce qui se passe, et se multiplie dans la même vitesse les résistantes que les sensibles. Donc ça dépend de chaque cas, de chaque bactérie et chaque antibiotique. Donc c'est la réponse, dans beaucoup de cas, oui, et donc c'est pour ça qu'au monde, on utilise cette stratégie, mais pas dans tous les cas. Bon, on peut commenter ça, on peut dire que ce qui est fait dans un laboratoire est fait en l'absence de tout l'environnement, qui est un environnement bactérien quand on est dans l'intestin, et que c'est peut-être à moduler ce que tu as dit, hein. Mais en gros, ça peut être vrai. Oui ? Je ne voudrais pas donner l'impression non plus que les probiotiques ne sont pas un espoir à terme. Je voudrais juste espérer qu'ils soient mieux maîtrisés. Et donc, peut-être qu'à terme, on pourra mieux encadrer les problèmes à court terme, voire chez certains à long terme, liés aux antibiothérapies. D'autres commentaires, d'autres questions ? Oui, monsieur ? Oui, en urgence infectieuse, que pensez-vous de l'antibiothérapie probabiliste, vu qu'un antibiogramme, ça prend souvent du temps. Sur une anaérobie, ça prend... quelle alternative ? Monsieur est chirurgien-dentiste. Alors, on a besoin d'utiliser empiriquement des antibiotiques. On a besoin d'utiliser empiriquement des antibiotiques. Parce que les patients et la maladie et les bactéries ne peuvent pas attendre les trois jours que vous avez besoin pour faire un antibiogramme. Donc ça, c'est clair. Il faut utiliser des antibiotiques empiriquement pour se battre contre la bactérie. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est aider aux médecins ou aux vétérinaires pour prescrire ou pour utiliser l'antibiotique qui marche
mieux et que est moins grave pour la résistance aux antibiotiques. Donc c'est plus que j'utilisais toujours cet antibiotique. Ah oui, je veux continuer à l'utiliser parce qu'il a toujours marché bien. Non, on a plus de données de l'épidémiologie de l'hôpital, de l'épidémiologie en général de l'entourage que peuvent nous aider à prescrire mieux l'antibiotique. Et une voie de recherche très importante que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, c'est le diagnostic rapide. Donc ça, c'est une outil très important d'utiliser des PCR, multiples PCR, beaucoup des outils pour savoir dans peu d'heures quelle bactérie c'est et surtout quel antibiotique on peut utiliser. Donc ça, c'est un peu... Merci à vous. D'autres questions ? Anne-Marie ? Ici, après, oui. Moi, ce n'était pas une question, c'était... Actuellement, on parle beaucoup de la médecine personnalisée. Quelque part, finalement, c'est ça que vous proposez plus ou moins. C'est qu'il y a une attention particulière à chaque patient, de façon à prescrire l'antibiotique avec la dose qu'il faut, etc. Et si possible aussi, en tenant compte de sa constitution génétique ou de ce qu'on peut savoir, puisqu'actuellement, un grand nombre de personnes aspirent à séquencer leur génome pour pouvoir justement avoir des thérapeutiques personnalisées. Est-ce que c'est pensable ? Attends, séquencer les génomes, ce n'est pas séquencer le microbiote. Hein. C'est deux choses un peu différentes, là, hein, Anne-Marie. Donc, moi, je pense qu'on va arriver à une période où les médecins vont prescrire de séquencer les microbiotes, hein, de faire de la métagénomique sur les microbiotes pour pouvoir adapter le meilleur antibiotique possible. Ça, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Oui ? Alors d'autant plus qu'on sait, c'est notamment, ça a été décrit pour la levodopa, pour les gens qui sont atteints de maladie de Parkinson, on sait que le microbiote modifie les médications, modifie les médicaments. Et donc en plus, il y aura une couche supplémentaire au niveau du microbiote qui sera, dans certains cas, de ne pas prescrire certains médicaments parce que de toute façon, il sera inactivé par le microbiote. Il y a plusieurs exemples comme ça, notamment sur des antiviraux, ou notamment vaginaux, contre le sida, qui sont modifiés par les lactobacilles. Et quand on a certains lactobacilles, eh bien, le traitement ne sert à rien. Donc cette perspective de séquencer le microbiote, sans doute, elle servira aussi à choisir les médicaments. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui commencent à nous vendre ça, alors même qu'on est encore très loin de savoir réellement, fonctionnellement, interpréter le microbiote. Mais vous pouvez déjà acheter le séquençage de votre microbiote, c'est pas très cher. Mais par contre, la notice qui va avec sera sans doute assez molle intellectuellement. Il y avait une autre question par ici. Oui, madame. Ça marche, ça, voilà. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir, avec l'arrivée de toutes ces résistances aux antibiotiques, pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne développent pas d'autres antibiotiques, puisque finalement, il y aurait vraiment une raison importante. Et la deuxième question, c'est si ces résistances aux antibiotiques continuent à augmenter, est-ce qu'on pourra être amené à réutiliser les virus tueurs de bactéries pour pallier ces problèmes de résistance ? Les bactériophages ont peut-être des beaux jours devant nous. Il y a un certain nombre de pays qui ont une tradition d'utilisation des bactériophages. C'est par exemple la Russie et la Géorgie. Mais je reconnais qu'à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Alain Dublanchet est depuis des années désireux d'entreprendre des expérimentations avec les bactériophages. Et je pense qu'il a éprouvé de grandes difficultés à monter des expérimentations acceptables par la communauté. Et toi, t'en penses quoi ? Parce que moi, j'ai une idée aussi. Moi, je pense que, d'abord, la condamnation du bactériophage avait l'air un peu d'un truc politique. On voit bien comment, quelque part, il y avait une frontière. Les bactériophages, on peut les prescrire et on peut les trouver dans les pharmacies en Russie. Maintenant, la Russie n'a pas très bonne presse en ce moment, à tout point de vue. Mais moi, je pense qu'il aurait été loyal de faire un essai des bactériophages, et en particulier à cause des biofilms. Je crois que tu as évoqué le fait que
Non, c'est vous qui avez évoqué les biofilms, c'est-à-dire le fait que les bactéries se rapprochent et constituent des espèces de tapis contre lesquels les antibiotiques ne peuvent rien. Et justement, les bactériophages semblent avoir une indication dans la prévention de la constitution de ces biofilms. Donc, pourquoi pas les essayer ? Moi, je trouve que c'est assez séduisant d'utiliser des bactériophages. On a vu quand même des cas de guérison, par exemple sur la peau, mais l'importance qui a été soulignée, c'est qu'il faut trouver le bon bactériophage pour la bonne bactérie. Donc en fait, il faut avoir une librairie, une bibliothèque de bactériophages et tester si la bactérie est sensible. Mais si on a un gros problème sur la peau et qu'on peut mettre un tout petit peu de bactériophage et être guéri, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Hein. Franchement, là... Mais ils ont justement des grandes librairies de bactériophages. Et si vous avez une bactérie qui est responsable d'un gros problème sur la peau, vous l'isolez et vous testez si les bactériophages sont spécifiques. Il y a aussi une petite start-up en Israël où ils en ont aussi beaucoup de bactériophages. Donc je pense qu'il ne faut pas complètement ignorer cette solution-là. Il y a 3 mois, une petite fille avec une infection pulmonaire grave, ça veut dire qu'elle avait aucun traitement possible, était guérie avec un cocktail de phages. Et c'était Mycobacterium abscessus, donc c'est même avec une bactérie intracellulaire. Donc ça a été utilisé cliniquement à Londres, et ça nous a donné un exemple ici en Europe que vraiment l'utilisation clinique peut vraiment guérir dans la peau, mais même aussi dans des organes internes où là on pensait que vraiment ça n'était pas capable. Donc oui, il y a un futur de l'utilisation, comme Pascal dit, des cocktails de phages qui peuvent avoir un futur très, très brillant. Oui, mais enfin, il y a des essais qui ont été faits. Il y avait un essai qui était, je crois que ça s'appelait Fagoburn, c'était pas ça, M. Bricker ? Fagoburn, qui a été fait pour tester sur Pseudomonas pour voir si c'était efficace. Mais les essais sont encore en cours, là. Il y a une question de ce côté-ci. Oui. C'est simplement ma première question à laquelle on n'a pas encore répondu, savoir pourquoi les laboratoires pharmaceutiques n'ont plus envie finalement de chercher de nouveaux antibiotiques. Alors, oui, je poserai simplement la question concernant les infections nosocomiales. C'est tabou, on n'en parle pas. Oui, tu as raison, la plupart de la découverte des nouvelles molécules est basée sur des petites boîtes biotechnologiques partout au monde. Donc c'est vrai que la grande industrie pharmaceutique l'a abandonnée. Maintenant, on a un essai au monde de les aider à développer des antibiotiques. Le problème avec les antibiotiques, c'est que tu veux qu'une boîte pharmaceutique développe un antibiotique, mais tu veux que cet antibiotique ne soit pas utilisé. Donc il y a un paradoxe. Donc le prochain antibiotique qui va sortir au marché au Royaume-Uni va être vendu ou utilisé avec une nouvelle théorie économique, que ça veut dire des déclenchements. Il va avoir un délinkage, un découplement de le revenu de la boîte pharmaceutique et la vente de l'antibiotique. Ça veut dire que la boîte pharmaceutique va recevoir un argent constant chaque année, indépendamment de combien d'antibiotiques ils vendent. Ça s'appelle « delinkage » à niveau économique, c'est très connu. Et voilà, et peut-être que ça va aider aussi des grandes boîtes aussi de se remettre dans des antibiotiques dans ce marché. Merci. Oui, je posais la question concernant les infections nosocomiales dont on ne parle pas, c'est tabou dans les hôpitaux. Alors, sur les infections nosocomiales, elles sont souvent perçues comme une erreur du monde médical ou un dysfonctionnement des hôpitaux, mais en fait,
quand on y réfléchit, elles sont tout à fait attendues et elles ne sont pas un dysfonctionnement. Vous avez un cocktail explosif entre des organismes souvent affaiblis, donc capables d'attraper des maladies. D'ailleurs, même des microbes ordinaires, comme le Staphylococcus epidermidis dont je parlais tout à l'heure, de la peau qui ne sont pas pathogènes, peuvent le devenir dans certaines conditions, en opportuniste. On a un milieu qui est hyper lavé, donc où il n'y a pas de flore écran, il n'y a pas de compétiteur à l'installation, au moins sur les surfaces extérieures, hein, sur les surfaces environnantes, il n'y a pas de flore écran qui empêche l'installation des indésirables. Et puis la dernière chose, c'est qu'on est quand même dans un des endroits où on a le plus fort taux d'antibiotiques, et donc la pression de sélection est terrible. Mais quand on dit que la pression de sélection est terrible, c'est non seulement qu'il y a une forte pression de sélection qui va favoriser ceux qui sont là, mais comme tous les autres sont abattus, n'est-ce pas, il y a vraiment de la place pour le candidat, même s'il a une drôle de tête parce qu'il fonctionne peu, parce que la résistance est au moins dans un premier temps très lourde physiologiquement pour lui, il a beaucoup de place. Voilà, donc c'est le cocktail explosif, hein, de l'espace vide, des malades et de la pression antibiotique. J'ai l'impression que notre président voulait faire un petit commentaire. Oui, parce que comme hospitalier, je peux dire quand même qu'il y a ce qu'on appelle le CLIN, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, qui existe depuis très longtemps. Autrement dit, l'hôpital a pris toutes ses responsabilités, donc il n'y a pas de tabou. Il y a des médecins, des infirmières, le personnel soignant et l'administration qui, depuis au moins une vingtaine d'années, ont mis en place tous les processus de lutte contre les infections nosocomiales. Pendant qu'on y est, je voudrais poser une question à mes collègues. Moi, j'avais été, à un moment donné, très intéressé par des recherches originales sur la manière de lutter contre les agents infectieux, bactéries ou autres, par une équipe japonaise qui travaillait avec l'idée qu'on pourrait être sélectionné des molécules naturelles qui permettaient de pouvoir s'opposer aux germes, avec l'idée que, par exemple, en les exposant à des enzymes protéolytiques, on pourrait avoir des actinomycèses ou on pourrait avoir des espèces qui pourraient produire des antiprotéases. Et c'est, par exemple, la découverte du groupe qui a travaillé sur la pepstatine, la chymostatine, etc. Je voulais savoir si cette ligne de recherche qui était originale, qui s'éloignait de la recherche classique par l'industrie pharmaceutique d'antibiotiques, avait été suivie. Je pense au groupe du Mezawa, qui était à côté de Tokyo, chez qui j'ai passé trois semaines pour d'autres raisons, parce que ces produits antiprotéasiques sont aussi utiles comme des outils pour d'autres soucis. Mais l'idée au départ, c'était un institut de microbiologie avec une ligne de recherche qui était originale par rapport au laboratoire classique qui faisait une recherche d'antibiotiques. En fait, merci pour la question. Alors, en fait, grâce au problème de la résistance aux antibiotiques, maintenant, dans la recherche, il y a beaucoup de fleurs qui étaient fermées pour la recherche, qu'ils sont en train de voir l'air d'un coup, et on est en train de découvrir. Par exemple, la phage-thérapie est endormie. Donc, il y a beaucoup de stratégies, même des stratégies anti-évolution des bactéries. Donc, on sait que le taux de mutation des bactéries est contrôlé par un mécanisme SOS, par exemple. Donc, il y a des molécules anti-SOS qui inhibent les SOS. Donc, ça veut dire que les bactéries produisent moins de mutations. Nous, on a testé, par exemple, une molécule anti-transfert des gènes. Donc, on sait que les bactéries se transfèrent des gènes. Donc, on a donné ça aux souris et on a bloqué les transferts des gènes d'une bactérie à une autre. Et comme ça, ils n'évoluent pas. Donc, il y a beaucoup de stratégies nouvelles. Celle-là que vous dites, c'est des stratégies anti-virulence. Donc, ça veut dire, si on donne une molécule à une bactérie qui est en train de produire une maladie et on donne une molécule qui ne tue pas cette bactérie, mais que fait que cette bactérie n'est pas capable de produire des facteurs de virulence, donc la bactérie ne va pas pouvoir développer sa maladie et on va donner à notre système immunitaire le temps pour tuer cette bactérie. Donc les molécules antivirulence, elles me plaisent beaucoup parce qu'ils ne vont pas directement tuer les bactéries, mais ils ne vont pas affecter aussi le reste des microbiomes, mais ils vont directement aider au système immunitaire pour tuer cette bactérie. Donc ça, c'est aussi une stratégie qui est très suivie aujourd'hui. Il y a plus, on n'a pas parlé de ça peut-être, un autre jour, si vous pouvez m'inviter, et je viens vous expliquer. Il y a des nouvelles vaccins, par exemple, la vaccin. Les vaccins antibactériens. Oui, ça, c'est autre chose, les vaccins. Non, ce n'est pas autre chose. Les vaccins
fait que tu as moins d'infections virales et moins d'infections bactériennes. Oui. Et ça veut dire que tu utilises beaucoup moins d'antibiotiques. En fait, le vaccin contre le pneumocoque des enfants en Europe, ça a été la mesure plus effective en Europe pour réduire l'utilisation de la pénicilline. Parce qu'il y avait moins de pneumococcus et comme ça, on a beaucoup, utilisé beaucoup moins. Donc ça, mais c'est là, ce n'est pas une action vraiment directe. Mais dans les actions directes contre les bactéries, il y a d'autres stratégies. Oui. Par exemple, il y a des stratégies qui vont dire on va aller contre le quorum sensing. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de bactéries qui ne vont produire leur facteur de virulence que si elles ont atteint une certaine densité. On va essayer d'aller contre cette densité, d'essayer de contrecarrer ce quorum sensing, par exemple, en allant contre la molécule qui fait qu'elles sentent qu'elles ont une forte densité. Et puis, il y a une autre stratégie qui est utilisée par un de nos collègues à l'Institut Pasteur, ou en tout cas, qui sont en train d'essayer de mettre au point des outils qui dérivent de la système CRISPR. C'est-à-dire l'idée de dire, bon, on va essayer d'aller cibler certaines bactéries soit à des gènes de virulence, soit à des gènes de résistance, en faisant passer, par exemple, un plasmide qui porte ce qu'il faut d'une bactérie directement sur une autre bactérie. Il y a quand même beaucoup de stratégies à l'heure actuelle qui sont utilisées. Il y a eu aussi un autre article qui a été publié dans Nature Biotechnology, où justement on faisait passer un antibactérien, si on peut dire, qui ne serait actif que s'il était dans une bactérie où il y avait un activateur, par exemple dans Vibrio cholerae. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train d'essayer d'avoir des stratégies différentes que des antibiotiques, mais qui sont quand même des antibactériens. On va peut-être prendre une question dans la salle, là, parce que... Vincent Courtillon. Oui, j'étais extrêmement intrigué par le modèle économique dont vous avez parlé, Monsieur González Sorn. Qu'est-ce qui financerait, assurerait ce financement annuel indépendant de la vente du médicament, et qui est-ce qui autoriserait, suivant les régimes, les pays, pas seulement en France, mais comment est-ce que ça se passerait en Russie et comment est-ce que ça se passerait aux États-Unis? Alors, ça, c'est un projet pilote avec lequel le prochain antibiotique au Royaume-Uni va sortir. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on fait ça. Les financeurs, c'est l'État, parce que l'État a fait ses calculs. Et le calcul, comme je vous ai montré, de la résistance est très haute. À niveau des gens qui ne vont pas travailler, coût médical. Et si vous faites vraiment votre somme de le coût de la résistance aux antibiotiques qui a été très bien faite au Royaume-Uni, vous pouvez voir que c'est beaucoup moins cher de ce système-là. C'est en tout cas ce qui est en train d'être testé. Mais l'idée, c'est que c'est beaucoup moins cher financer cette façon d'utiliser un antibiotique qui est de guérir beaucoup de patients pendant beaucoup d'années. C'est quand même une expérience macroéconomique dans un petit pays et on verra ce que ça donne. Donc c'est fait où ça? Au Royaume-Uni. Ah, au Royaume-Uni. Je trouve que c'est très intéressant, hein, effectivement, de commencer à penser l'utilisation des antibiotiques. Mais le problème auquel on se heurte, c'est celui de les penser à l'échelle où se structure l'émergence des résistances. Et là, c'est le problème quid en dehors de l'Europe. Je dirais, on n'aura pas la main sur toutes les législations. Et tant qu'il y aura un maillon faible... Oui, en fait, les antibiotiques sont devenus des médicaments orphelins, en particulier quand on pense à l'utilisation de ces stratégies dans les pays moins fortunés. Donc, il y a des mécanismes de financement qui sont prévus pour cela, et les antibiotiques ou les stratégies nouvelles rentrent tout à fait dans cette catégorie. Merci pour vos trois présentations déjà. J'étais très intéressé par l'aspect de par rapport à votre présentation, Marc-André Sellos, sur l'apport écologique peut-être de l'étude du microbiote humain. Et ma question, c'était par rapport aux deux diagrammes que vous avez montrés avec l'augmentation des maladies occidentales, est-ce qu'on peut associer ça à une perte, à une érosion de la biodiversité microbienne, comme vous disiez, sur les humains? Comment faire pour la regagner si c'est le cas?
Pour pousser la réflexion encore plus loin, est-ce qu'il y aurait un apport, est-ce qu'il y a des études sur, vous parliez de murs sélectifs, donc une approche évolutive, est-ce qu'il y a une approche fonctionnelle de la modification, l'utilisation du microbiote pour résister aux résistances qu'on rencontre? Voilà, merci. Alors, sur les résistances, pas que je sache, je ne vois pas d'ailleurs comment, mais en revanche, la vraie question, c'est d'arriver à se contaminer, au sens noble du coup, puisqu'il s'agit d'un microbiote positif, très rapidement. Et très rapidement parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à un développement différent en présence de microbes différents. Et ça, c'est tout le problème de laisser nos enfants se coloniser. Brièvement, le lait maternel contient des sucres qui aident à se développer certaines bactéries favorables, qui ne sont pas digestes pour l'enfant, hein, mais qui sont favorables pour des bifidobactéries ou des lactobacilles. Et donc, quand aujourd'hui, ce n'est pas la mère qui donne le sein, il faut y envisager de suppléer à ça. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les mamans doivent donner le sein. Au contraire, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il faut le gérer. Et puis, il y a ces attitudes contaminantes qu'on a dans l'enfance. Les enfants mettent tout dans la bouche. Si un tel trait est spontané, or il l'est, et je l'ai vérifié, il est transcivilisationnel. C'est pas un truc uniquement européen. C'est sans doute quelque chose qui, entre autres, a des fonctions d'autocontamination. Il faudrait qu'on arrive vraiment à gérer l'autocontamination pour une construction rapide du microbiote. Et une des façons de se salir proprement, pour reprendre l'image de la saleté propre, c'est d'avoir les vaccins en garde-fou, pour que ne rentrent pas les indésirables. Ok, merci. On prend la dernière question. Oui, merci pour ces exposés qui étaient vraiment tout à fait informatifs et très précis. Et du coup, par rapport à l'importance, comme chacun l'a évoqué, de l'antibiotique vis-à-vis de presque de la survie de l'humanité. Enfin, que se serait-il passé si il n'y avait pas eu la découverte des antibiotiques? Est-ce que, en effet, la vie sur Terre aurait décliné comme vous l'aviez évoqué ou... Ça, c'est une très, très bonne question. Quand j'ai montré la figure de l'utilisation clinique des antibiotiques et comment le numéro d'êtres humains a augmenté, une étudiante de 14 ans, il n'y a pas longtemps, me disait, en regardant cette figure, elle me disait, ah, alors on a cassé l'équilibre. Pas con, hein? Alors, avec l'utilisation des on a un peu cassé l'équilibre maladie, êtres humains, terre. Donc je crois qu'on serait moins personne dans la terre, mais probablement avec plus d'équilibre avec notre terre. Probablement. Alors, pas d'extinction, mais enfin, vous voyez. Merci mais, beaucoup. C'est une question très intéressante sur laquelle on pourrait discuter. Oui, tout à fait. Mais je pensais un peu à ça aussi. Merci. Bon, il nous reste à remercier les trois orateurs en les applaudissant. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont intéressés à antibiotiques, résistance et microbiote. Je vais vous annoncer un colloque qui va avoir lieu le 17 juin 2020, donc dans un peu plus de 6 mois, et qui sera organisé par 6 académies, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, et ce sera dans l'amphithéâtre de la rue Laumont à l'Institut Curie. Voilà. 17 juin 2020. Oui. Je crois que Claude Debrue va faire un commentaire. Je voulais juste, puisque nous sommes dans un cadre d'histoire de philosophie des sciences, c'est la spécialité de ces 5 à 7, dire que nous avons vraiment assisté à la manière dont l'histoire des sciences, que nous avons quand même retracée, rejoint les problèmes contemporains, et cela a été l'objet de très belles discussions. Nous avons assisté finalement à un changement de paradigme, avec le passage d'une stratégie qui consistait à contrer la résistance aux antibiotiques en modifiant chimiquement, et le rôle des chimistes a été très important dans toute cette histoire, il faut le rappeler, donc en modifiant chimiquement l'antibiotique, jusqu'à toutes sortes de nouvelles stratégies, et ça c'est un véritable changement de paradigme, me semble-t-il, historiquement parlant. Voilà, c'est une conclusion philosophique, une course de vitesse entre la créativité des micro-organismes et la créativité des chercheurs.